Bonsoir tout le monde, je vois que c'est déjà l'heure. Nos panélistes sont déjà là. Je pense qu'on peut, on peut démarrer avec, avec notre débat. Bonsoir tout le monde. Ce débat d'aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de l'espace politique à l'approche des échéances électorales. Vous le savez sans doute qu'il y a des élections en 2025 et en 2027 au Burundi. C'est grâce à nos panélistes que le débat va bien se dérouler. Je veux dire notamment Elali Nibizi, vous êtes directrice exécutive de la CBDDH, c'est la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. Mais merci d'être venue. Ah, Elali, je vois que elle est en train de se connecter. Mais parmi les panélistes, il y a également Denis Ndayishimiye, c'est le vice-président du FOCODE, c'est le Forum pour la conscience et le développement. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Denis. Merci Emile, merci de m'avoir invité et c'est un réel plaisir d'être là. Nous sommes avec aussi Francis Lohero, c'est le président du parti FPI et c'est la Fraternité des Patriotes Inès. C'est un parti qui est un peu jeune, mais Francis Lohero n'est pas jeune en politique. Merci d'être venu, Francis Lohero. Et en attendant que Francis Rohiro, Bonjour. bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être venu. Et nous sommes aussi avec professeur Liberane Bashirakandi, c'est le porte-parole du MAP Burundi, c'est le mouvement d'action patriotique. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, professeur. Oui, bon, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et je transmets mes sincères salutations aux amis et compatriotes avec qui nous allons partager les 2 heures d'échange et de débat. J'espère très constructif.
Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes avec aussi Dr. Diomède Ninheretse. C'est un consultant indépendant en leadership et management des organisations, y compris bien sûr des organisations politiques. Merci Diomède d'être venu aussi. J'étais peut-être avec l'OTAN, mais ça, apparemment, il y a un problème de connexion. Je suis en train de m'ajuster peut-être. Je Espérons sais que pas, ça je sais va. pas si vous m'entendez un peu. Oui, nous vous captons. Ah oui. Mais le problème, c'est que je vous entends bien. Je vais m'ajuster d'ici 5 minutes. Peut-être que les autres peuvent commencer. Espérons que ça va marcher. Je rappelle que ce débat est organisé par l'agence de presse, le Mandat et l'ADIC. L'ADIC, c'est une organisation sous-régionale, Amahoro Development International Center. Mais nous avons aussi des partenaires, vous l'avez vu sur les flyers, mais aussi sur le... sur les invitations, c'est Global Democracy Coalition, c'est notre partenaire. Pour commencer, l'actualité oblige, le ministre de l'Intérieur a pris acte récemment des décisions prises à l'occasion du congrès extraordinaire du parti CNL tenu le 10 mars. Et il a pris acte de l'élection de M. Nestor Kirikou-Chaka comme président et représentant légal du parti CNL, le Congrès national pour la liberté, ainsi que la mise en place du nouveau bureau politique de ce parti qui était jusque-là considéré comme un parti. Un principal parti, le principal parti de l'opposition. Francis Rohiro, vous êtes sur terrain. Je veux dire que beaucoup de choses se passent, je dirais, sous vos yeux au Burundi. Comment interprétez-vous cette situation au niveau du parti CNM? Je dirais pas que il y a une appréciation particulière par rapport au passé. C'est-à-dire que je sais ce qui se passe souvent entre le parti au pouvoir et le CNL. Il y a cette surenchère d'habitude à l'approche des élections. Je dirais, à mon avis, c'est un problème très profond qui date même de l'époque du Maquis. Et qui aujourd'hui, qu'on l'observe quand ces deux protagonistes sont au pouvoir depuis 2008, quand M. Rwasa est rentré au Burundi. Alors, je ne dirais pas une appréciation particulière, mais je dis, il y a quelque chose qui se passe entre les deux partis qui ne répond pas nécessairement à un mécanisme, je dirais, démocratique. Si je vais un peu loin, c'est rare même que dans notre pays, tout ce qui se passe pourrait être qualifié de démocratique. Il y a un combat, presque un combat de coq, une lutte pour garder le pouvoir ou pouvoir le pouvoir. Donc, si je vais vraiment un peu loin, il y a une visibilité qui montre que le parti au pouvoir ne veut pas vraiment concourir avec le parti CNL de M. Agathon Rwasa. Et donc, problème de loi, le problème de lecture de ce qui se passe. Donc, étant sur le terrain, je dirais que c'est triste ce qui se passe, c'est vraiment triste, mais ça s'explique par ce que j'ai souvent dit, la manière dont les partis politiques comprennent le pouvoir au Burundi. Ils sont conscients que s'ils se sont battus, c'est pour être au pouvoir, c'est pour garder le pouvoir. Les élections sont comme une juste, donc je dirais, une confirmation qu'ils ont le pouvoir, non pas nécessairement un exercice de... Donc c'est pas un exercice électoral, c'est pas un exercice, je dirais, civique pour voir qui est le meilleur, qui est accepté par la population, qui a le meilleur programme, pour que ce soit vraiment, donc
beau à dire, à mon avis. Donc, je regrette la situation qui se passe. Le parti au pouvoir donc, intervient de façon visible à désirer celui qu'il veut ou l'autre. Donc, je voudrais pas vraiment le dire autrement. Ce qui s'est passé au Burundi, c'est triste. Ça peut se passer avec d'autres partenaires demain ou après-demain. C'est des choses qu'on vit depuis des années. Donc, le pouvoir, le parti au pouvoir, il y a une communion que je dirais qui est triste, où les gens décident ce qu'ils veulent. Ils font fi de la loi, donc des mécanismes légaux. Donc, je dirais ici, à mon avis, c'est triste. Je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe. Et j'espère que dans la suite, peut-être qu'on va en parler des préalables qui sont là. Donc, il y a certains qui disent que c'est que le parti au pouvoir aurait peur. Ben, avoir peur d'un partenaire, c'est possible, mais pas aller jusqu'à décider de ceci ou de cela. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce coup. Pour que l'exercice électoral soit un mécanisme ordinaire entre compatriotes. Et cela, on est loin vraiment d'arriver à ce point. Mais à voir ce qui est enseigné dans les partis politiques, comment les gens croient à leurs partis politiques. Donc, je dis que c'est la conséquence de ce qu'on a appris depuis longtemps, le parti politique. C'est un mécanisme, une machine qui vous met au pouvoir et que vous devez garder à tout prix, je dis bien à tout prix, même au prix du sang, les gens sont arrivés au pouvoir au prix du sang et ils ne pensent pas laisser ce pouvoir un jour. Donc, c'est ça qui explique tout ce qu'on voit. Donc, la loi est bafouée à certains moments. Quand la vie peut être bafouée, à plus forte raison la loi. Donc, c'est ce qu'on assiste. Mais de mon côté, j'ai toujours dit, on est là, on va persévérer. Pas que nécessairement il y a un résultat qui nous avantage pour l'instant, mais on sera là pour essayer de voir comment les choses pourront changer, même dans l'avenir, si c'est pas immédiat. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment triste. Je le déplore à mon niveau. Francis, tant que vous êtes là, est-ce que pensez-vous que ça va perturber l'environnement politique qui n'était pas bon selon certains, surtout ceux du camp de l'opposition? Est-ce que vous pensez que ça va encore plus être perturbé? Je vous ai pas suivi, vous dites? En fait, je disais, est-ce que ce qui s'est passé au niveau du Congrès national pour la liberté, le CNL, est-ce que ça va perturber encore plus l'environnement politique à l'approche des élections, même si l'environnement n'était pas bon selon certains partis de l'opposition, bien sûr. Perturbé, ça dépend de ce que celui qui organise les élections, celui qui est donc le maître de la situation, comment il pense la chose, parce que perturbé, ça fait depuis longtemps qu'on vit dans un pays où il y a beaucoup de choses qui sont perturbées. Même les élections passées, ils ont souvent été perturbés. Donc, mais les gens font avec, ils s'imaginent qu'ils pourront améliorer le moment venu ou ceux qui essaient de lutter, ça dépend. Donc, perturbé, c'est déjà perturbé parce que quand on empêche aux gens qui sont là, donc, moi, à mon entendement, j'aurais aimé que les gens du parti CNL s'entendent eux-mêmes, entre eux. Donc, qu'ils puissent résoudre le problème à l'interne. C'est ce que j'aurais voulu. J'aurais aimé que un parti comme le CNL s'organise et puisse donner le meilleur de lui-même. Que ceux qui sont, donc, en conflit essaient de s'entendre pour améliorer leur communication par rapport à ce que le pays attend d'eux. C'est ce que j'aurais aimé. Mais donc, si ce n'est pas le cas, ça dit que c'est déjà perturbé. Mais pour la suite, j'ai souvent dit, moi, dans mon entendement, même s'il n'y aurait pas ce qui vient de se passer avec le CNL, je sais que les conditions qui permettraient de bonnes élections dans un pays,
ne sont pas nécessairement requis dans notre pays. Mais j'imagine toujours que il y a eu un problème qui est dit, parce que j'ai toujours dit, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire maintenant qui va faire que les élections soient meilleures. Parce que ce que j'ai souvent imaginé, je suis dans ceux qui sont en train de préparer une nouvelle génération de jeunes Burundais qui vont aujourd'hui essayer de penser, améliorer leur mécanisme, parce que je dis, il y a trois choses que je désire en politique au Burundi. Ces trois choses, c'est avoir des hommes qui ont une conscience nationaliste, des gens qui pensent que le pays, le Burundi, en l'occurrence, notre pays, doit être dirigé par des gens qui sont conscients que nous sommes un peuple, que nous devons vivre ensemble comme des frères, ce que disait l'autre. Et deuxièmement, c'est un comportement que moi j'imagine à mon niveau qui doit être non violent, un comportement digne des frères dans une nation qui ne s'entretue pas à tout prix pour avoir le pouvoir. Et troisièmement, c'est le fait d'avoir une vision qui crée un pays qui sauve tout le monde, un pays qui donne de la joie, de la prospérité à chaque individu de ce pays. Donc, si on n'a pas cela, je n'attends pas à avoir des miracles avec les mêmes individus. Aujourd'hui, le Burundi, presque la totalité de ce que j'appelle la classe politique burundaise, c'est des gens qu'on connaît depuis plus de 20 ans, 30 ans dans la politique burundaise. Ces individus, ce qu'ils ont fait il y a des années, je ne m'attends pas à ce qu'ils fassent de meilleures choses aujourd'hui, immédiatement. Donc, j'ai toujours pensé que il faut qu'on crée une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, et c'est ce que moi je suis en train de faire. Donc, ce qui arrive aujourd'hui entre le parti au pouvoir et le CNL, c'est des choses que nous voyons régulièrement depuis 2008, hein, depuis que Ouassa est rentré dans les années 2006, 2007, 2008. En 2006, vous vous rappelez que il y a des gens du parti FNL qui ont été tués juste parce qu'ils étaient du parti. Vous vous rappelez? C'est des problèmes qui continuent, qui nous montrent que c'est ces deux groupes qui étaient à un moment donné des groupes armés ne sont pas nécessairement devenus des partis politiques en soi qui avaient des visions, mais on trouve des gens qui luttent juste pour avoir cette force qu'ils avaient au maquis, donc qui luttent pour prendre l'ascendance sur les autres. Donc, dans le fond, donc moi, je milite pour qu'il y ait une essence de nouvelles personnalités politiques qui croient à la vision, qui croient à l'unicité de la nation, que nous devons vivre ici dans le pays légalement, comme des êtres égaux dans ce pays. Merci Francis. Diomède, qu'est-ce qui va suivre après ce congrès extraordinaire au niveau du parti CNL? Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qu'on peut prévoir après? Diomède, est-ce que vous êtes là? Et en attendant le retour de Diomède, je rappelle que c'est un consultant et indépendant en leadership et management des organisations, y compris des organisations politiques. Professeur Libéa Ndibashiraka Ndibou, comment interprétez-vous la situation actuelle dans le pays et par rapport à ce qui s'est passé au niveau du parti CNL? Premièrement, le FDD est au pouvoir depuis 2025. Bientôt, 2005. Bientôt 20 ans au pouvoir. Et pendant les 18 mois, plutôt les 18 ans de pouvoir, ce n'est pas la première fois que des partis politiques sont divisés, avec la complicité toujours du ministre de l'Intérieur, qui est issu du CNDD-FDD. Je rappellerai le cas du Frodebou, le cas de l'IPRONA, la tentative de diviser le MST, qui n'a pas marché, bien sûr, FNL par Perutu, je pense que c'est la troisième fois. Donc, pour dire que, en fait, le CNDD-FDD a un problème très sérieux. En fait, ce n'est pas un parti politique. C'est une mafia qui s'est imposée par la force et qui, depuis 2005, règne de façon, je dirais, oligarchique. C'est une dictature militaire
qui se comporte toujours comme une ébérion, en fait. Et autrement dit, le CNDD-FDD en soi n'est pas un parti politique démocratique qui est là pour défendre la démocratie, mais plutôt pour détruire une démocratie qui n'existait même pas au Burundi. Et c'est une force qui est là, non pas pour défendre la démocratie, mais pour détruire ce qui a été construit depuis qu'on connaît ce Burundi sur le plan économique, sur le plan des enfin, semblables de démocratie. Et donc, la situation est très grave, en fait. La situation est très grave parce que le président même de la République vient de déclarer que le Burundi risque de tomber en faillite. Et c'est vrai, là je suis d'accord avec lui, parce que tous les indicateurs économiques, sociaux, dans tous les secteurs de la vie nationale, l'on voit des indicateurs qui sont au rouge. Bon, je ne reviendrai pas sur ces indicateurs. Le président lui-même l'exprime au quotidien, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit au niveau la question de la corruption, que ce soit l'attribution des marchés, etc., etc. Donc, avec ce qui vient de se passer au parti CNL, ça devrait plutôt interpeller tous les Burundais, y compris les membres du CNDD-FDD. Parce que tout simplement, aucun pays au monde ne s'est développé sans démocratie, en fait. Et la démocratie aussi n'est pas possible dans un pays où il y a la misère. Et d'ailleurs, ce n'est pas gratuit. Pourquoi pourquoi tous les marchés du pays, les grands marchés du pays, ont été brûlés? Pourquoi? Et il y a des mesures qui sont prises, non pas pour l'intérêt de la population, mais justement pour appauvrir les Burundais, pour que les Burundais se soumettent au dictat du CNDD-FDD. Je donnais des exemples. Pourquoi, par exemple, décider d'acheter les céréales, ici le maïs, et les stocker finalement pour... Voilà, c'est une façon indirectement d'appauvrir la population. Pourquoi empêcher les paysans de faire brouter les vaches sur les collines, alors que ces vaches apportent du fumier? Donc, il y a une série de mesures qui sont prises, et parfois on se pose la question pourquoi, mais le but, c'est d'appauvrir la population, les Burundais, en fait, pour qu'ils se soumettent. Pour faciliter l'achat des consciences. Ce qui s'est passé au CNL depuis des années, c'est l'achat des consciences. C'est-à-dire, les gens sont pauvres, sont faciles voilà, leur miroiter de petits intérêts, de petits postes, et voilà, c'est la division des partis politiques. Donc, ce n'est pas vraiment je dirais, les membres probablement du CNL, oui, ils ont une certaine responsabilité, je suis d'accord. Mais le rôle du ministère de l'Intérieur et du CNDD-FDD est quand même important. Alors, moi, je suis très inquiet sur l'avenir du Burundi, en fait. Parce que tout simplement, je viens de le dire, les indicateurs économiques sont au rouge. La misère frappe de plein fouet beaucoup de familles et pour moi, la priorité, ce ne sont pas les élections. La priorité, c'était plutôt d'essayer de trouver des solutions. Je sais que c'est difficile pour créer des conditions justement pour qu'il puisse y avoir des élections libres, transparentes et démocratiques. Et ces conditions ne sont pas remplies parce que la sécurité n'est pas totale. On compte des dizaines de milliers de réfugiés qui sont accusés à tort par le président
à la, de la République, qui sont des égarés, vous connaissez les qualificatifs. Ça, c'est aussi un signe d'un problème très sérieux de leadership. Le Burundi, depuis les années de l'indépendance, le Burundi, comme d'ailleurs les pays de la sous-région, connaissent des réfugiés. N'oublions pas les Baganois qui ont quitté le Burundi dans les années 60. N'oublions pas les réfugiés de 69, de 72, et ainsi de suite. Et donc, ces Burundais qui sont à l'extérieur, je suis de ceux-là, mais je suis Burundais et je reste Burundais et j'ai mes droits d'exercer, notamment voter et attaquer Burundais. Donc, tous les réfugiés devraient rentrer. C'est ça la priorité. Donc, il faut créer des conditions et pour que véritablement les conditions idéales des élections libres et transparentes soient remplies. Et là, nous n'en sommes pas là parce que justement, il y a cette machine féroce qui détruit tout, y compris les valeurs. Vous rappelez ça? C'est un drame national. La question des valeurs de Burundi et de Bushingana n'existe plus. Vous imaginez les hommes, les adultes qui prennent de force de petites gamines mineures. Et donc, ce qui se passe au Burundi, ça dépasse l'entendement. Et le pays se vide aux yeux aussi de tout le monde de sa jeunesse. Des filles sont vendues en Arabie Saoudite, avec tous les problèmes qu'elles connaissent là-bas. Donc, finalement, où va le Burundi avec tout cela? C'est la raison pour laquelle, au niveau de Mapfundi-Buhire, nous disons il faut que les Burundais s'assoient ensemble pour qu'il y ait un dialogue franc et sincère et repartir sur professeur. De nouvelles bases, notamment ce que nous appellerons refondation de la nation et de l'État burundais, et à travers un dialogue franc et en se basant sur ces accords pour la paix et la réconciliation qui ont permis justement le Burundi d'avoir une accalmie pendant 10 ans et qui ont permis le CNDD d'arriver au pouvoir. Voilà plus ou moins en résumé comment Mapfundi-Buhire nous voyons la situation. Donc, je terminerai par là pour résumer, pour répondre à votre question. Il est urgent que les Burundais se mettent ensemble pour exiger les libertés démocratiques au Burundi, laisser la possibilité aux partis politiques de fonctionner et donner finalement du sens à un semblant de démocratie, même si la démocratie n'existait pas aujourd'hui au Burundi. Même d'ailleurs hier, pour terminer, je crois que les seules élections démocratiques ont eu lieu en 1961, lors de la victoire d'Oliprona, sous le leadership du prince Rwagasore. Merci, professeur. Je pense qu'on va y revenir sur les propositions de solutions vers la fin du débat. Et je ne sais pas si Diomède est là maintenant. Et Lali Nibizi, je pense que maintenant vous êtes connecté. Elle n'est pas là non plus. Daïchemé Zadeni, la dégradation de l'espace politique, elle s'accompagne souvent des violations des droits humains. Est-ce que vous êtes préoccupé par la situation actuelle au Burundi? Et si vous analysez ce qui vient de se passer au niveau du CNL, et maintenant il y a des enlèvements qui se signalent, et plusieurs enlèvements ces derniers jours, et est-ce que ça vous préoccupe? Merci beaucoup, Emile. Je crois que la situation qui se présente, la situation telle qu'elle se présente dans le pays,
En tant que défenseur des droits humains, en tant que citoyen, je dois être préoccupé. Je dois être préoccupé. C'est pas seulement parce que des conflits politiques s'accompagnent toujours, bien sûr, de la dégradation de la situation des droits humains, mais également politique au Burundi est dégradée depuis 2010. Depuis 2010, la situation politique au Burundi est dégradée depuis les affiches, depuis et le climax, je dirais, le paroxysme continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans tout ça, on a vu des violations des droits de l'homme, comme des arrestations arbitraires, des emprisonnements abusifs, on a vu des procès bâclés, on a vu des arrestations qui ont été suivies de disparitions forcées, où on a vu des viols sur mineurs, comme Libéra était en train de le dire, on a vu beaucoup de choses, tu vois. Et dans tout ça, le comble de malheur, c'est que on n'a pas du tout, je dirais, un système judiciaire qui soit capable de punir et de sanctionner. Les organisations de la société civile ont toujours fait des monitorings, des violations des droits humains. Si je te dis, par exemple, je lisais un bon rapport qui a été produit par SOS Torture, publié par SOS Torture, exactement sur le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre, l'espace public à l'approche des élections de 2025. C'est-à-dire, en citant la Ligue ITK, par exemple, je te dirais que dans ce rapport, j'ai trouvé que au mois de novembre, on a eu 27 personnes tuées. Au mois de décembre 2023, 76 personnes tuées. Et au mois de janvier 2024, 32 personnes tuées. Vous voyez? Et des disparitions forcées qui continuent. Vous voyez? On a vu, par exemple, très récemment, un enseignant dans la commune de Bouganda qui a été enlevé par le renseignement militaire. Vous voyez, le renseignement militaire qui revient, ça, il y avait une petite accalmie au niveau, le renseignement militaire avait cessé un peu de kidnapper des citoyens. Mais pour le moment, ce service revient à la surface et redevient un acteur de ces violations, vous voyez. Donc, avec cette situation au niveau du parti CNL, je dirais que on a déjà vu les leaders, les dames arrêtées à Kayanza, Ngozi, à Muyinga aussi, qui ont été arrêtées. Ça, ce sont des violations des libertés, non pas seulement des droits humains, mais aussi des libertés publiques, des libertés politiques de ces personnes. Elles ont le droit d'appartenir. C'est aussi des violations des droits des femmes. Vous voyez, imaginez emprisonner une maman de 4 enfants, je dirais de manière, en anglais on dit incommunicado, on les enferme dans un lieu secret, on ne sait pas ce que les gens sont en train de faire à ces dames. Vous voyez, on ne communique rien à leur famille. Personne ne sait. C'est quoi au fait? Donc, c'est une situation qui vient de s'ajouter à une situation qui était déjà dégradée, comme les précédents, je dirais, intervenants l'ont dit. Au Burundi, on n'a jamais eu de démocratie, au fait. On n'a jamais eu de démocratie. Et aujourd'hui, le parti CNDD-FDD qui règne, je dirais, comme une mafia, comme on l'a dit, comme un mouvement rebelle qui a capturé le pays, qui prend le pays par la gorge, et ne veut aucun compromis. Ne veut aucun compromis parce que tout simplement, on veut rester là. Alors, si vous voyez un président de la République en train de danser cette chanson, Tuzobashiririza, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que de gré ou de force, ils vont rester au timon de l'État et ils ne sont prêts à aucune concession. Alors là, ça s'accompagne avec des violations des droits humains qui va dire je veux, qui va réclamer ses droits politiques, qui va réclamer ses droits comme citoyen,
va être confronté à, je dirais, à cette machine répressive du gouvernement. Vous voyez. Donc, ça, ce sont des situations qu'on déplore. Et ce sont des situations avec, comme je disais, des organes étatiques qui sont, je dirais, tétanisés, qui sont tétanisés aussi, qui sont, je dirais, si elles ne sont pas d'omèche, ces organes étatiques qui devraient défendre les droits humains. J'ai parlé de la justice. Je vais aussi parler de la commission qui est dite indépendante des droits humains, la CNIDH. Si vous lisez le rapport qu'ils viennent de sortir pour 2023, c'est catastrophique. Toutes les violations qui ont été signalées par les organisations de défense des droits humains, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a rien. Et même lorsque il y rapporte des choses, c'est de manière floue, sans aucune précision. Pour vous dire que vraiment le pays, je dirais, a été, je dirais, je sais pas, sous une emprise d'une dictature, ce qui fait que doit y avoir des violations des droits humains. Aujourd'hui, si par exemple Ouassa Gatton essayait de faire des actions de résistance, avec la prise d'acte qui a été déjà notifiée par le ministre de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur qui est aussi un outil que le régime utilise. Parce que moi, je ne condamnerai pas le ministre de l'Intérieur. Peut-être, oui, dans sa conscience, il ne devrait pas faire des choses pareilles qu'il sait vraiment que c'est mauvais. Mais c'est le système en soi. Depuis que Rajaou était là, depuis que Nkurunziza était là, et même aujourd'hui, c'est le système, c'est l'idéologie du système. Donc, pour dire que le ministre de l'Intérieur n'est qu'un instrument qu'on utilise parce que c'est lui qui doit signer, c'est lui qui doit mettre tout ça en œuvre. Sinon, c'est toujours le groupe des militaires et policiers qui sont à la tête du CNDD-FDD depuis le maquis, qui font la loi, qui font la pluie, régner la pluie et le bon temps surtout, et qui font taire tout le monde. Donc, nous sommes vraiment très préoccupés. Si très, très prochainement, on peut assister à des tueries des membres des FDC, des CNL, à des partisans d'Agathe Rwasa, comme on l'a toujours fait, à l'augmentation des cas de disparition forcée, on va assister à des emprisonnements abusifs, on va assister à des condamnations par la justice burundaise pour priver aux gens leur droit d'éligibilité. Ça, il ne faut pas vraiment, et donc ça, il ne faut pas, je dirais, le mettre très loin. Si demain, Ouassa Gatton est arrêté et condamné pour devenir et être déclaré inéligible, moi, je m'attends à ça et bien d'autres citoyens. Alors là, c'est vraiment quelque chose je dirais, d'un courage que je vois dans Francis Ilorilo qui essaie de proposer quelque chose de nouveau dans un tel système. C'est un courage pour ma Burundi Bouhiri qui veut proposer quelque chose, même si vous êtes à l'extérieur. Mais qu'est-ce que vous apprenez de tout ça? Est-ce que vraiment vous êtes différent de ce que nous sommes en train de voir? Est-ce que vraiment, une fois arrivé là-bas, parce que même le CNDD était quelque chose, je dirais, ils avaient un discours, ils avaient des idéologies lorsqu'ils disaient nous combattons pour la démocratie. Alors, je crois qu'on doit franchement s'imprégner des idéaux de respect des droits humains, des idéaux de démocratie, des idéaux de liberté publique, des libertés des citoyens, afin qu'on puisse dire, OK, dans l'avenir, comment est-ce qu'on peut construire un État vraiment de droit respectueux des libertés et des droits humains? M'arrêter par là. Sinon, la préoccupation est vraiment là. Nous sommes préoccupés et nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas vraiment, peut-être on va y revenir, comment cette situation peut vraiment se résoudre. Et parce que moi, personnellement, je suis désespéré. Je n'espérais pas du tout un processus électoral en 2025 qui va, je dirais, accoucher ou bien produire quelque chose de salvateur pour le Burundi. Merci. Merci, Denis. Est-ce que Eladine Ibizi, maintenant vous êtes là? Je suis là, bonsoir. Bonsoir et merci d'être venu dans ce débat. Je vous remercie.
Et Denis est très inquiet par rapport à la violation des droits humains et à la situation, je dirais, des crises décrites comme catastrophiques. Est-ce que vous êtes préoccupé par la dégradation de l'espace politique qui peut engendrer des violations des droits de l'homme? Il y a aussi des violations des droits des femmes également. Est-ce que vous pensez que ça va prendre de l'ampleur? La préoccupation, je fais la préoccupation de Denis mienne, à voir la situation que nous vivons. Si je me projette à la période électorale 2019-2020, si j'analyse les tensions qui ont caractérisé la période post-électorale 2020 jusqu'à aujourd'hui, je vois que tout est la machine broyeuse est prête si elle n'est pas vraiment à l'étape de finalisation. C'est le moment de finalisation. Je suis préoccupée car un système qui n'admet pas, qui se dit démocratique, qui peut, par définition, il accepte la multiplicité d'opinions, de partis politiques, ne fût-ce que l'existence de partis politiques, et qui, par la voix du président, du secrétaire général du parti, il ose dire, eh bien, j'ai donné conseil au président du parti majoritaire de l'opposition que s'il veut la paix, il y rejoint le parti CNDD-FDD où il devient son ami, sinon un homme averti en vaut deux. Il a averti sur ça, il était à Muyinga et actuellement, je crois qu'il n'y a pas 6 mois de ça. Alors, dans un contexte où on fait croire qu'il y a une campagne électorale qui se prépare et où il y a plusieurs partis politiques qui vont entrer en compétition et qu'en même temps, on refuse le dialogue, on détruit l'opposition et avec un discours, on ne peut plus, je ne dirais pas sauvage, mais arrogant. Là, alors, l'avenir, le futur des élections, de la démocratie au Burundi est sombre. Déjà, vous voyez que, entre les deux périodes, entre les deux échéances électorales, le muselage est à son comble. Il est vrai que les médias n'ont plus rien à dire sur les politiques gouvernementales. Quand vous refusez, quand les autorités refusent le dialogue avec la population, là où on devrait entendre les politiciens s'exprimer sur les politiques et la population demander des comptes, poser des questions, soit à travers les médias, soit à travers les conférences, et que les autorités ne répondent pas aux invitations, vous comprenez que il n'y aura pas moyen d'avoir la campagne électorale. Ils vont faire semblant. Il y a des pions qui sûrement ils sont en train de tamiser et voir les meilleurs pour crédibiliser les élections, pour crédibiliser le processus. Ils vont les mettre en avant et quelques jours après, ils vont les éjecter comme des papiers Kleenex. Alors, je me dis que son analyse est correcte. Quand il y a le silence, alors que l'élection suppose dialogue, qu'il suppose participation, qu'il suppose participation citoyenne, qu'il suppose sensibilisation sur les politiques et qu'il suppose critique et constructive, là, nous pouvons dire que les personnes qui vont s'engager en âme et conscience dans le processus électoral auront du pain sur la planche. Comme ils doivent s'attendre à un jeu franc, et que déjà le jeu méchant, le jeu dangereux de l'exclusion, de l'intolérance est déjà déclenché, je crois qu'on aura des difficultés à avoir des élections transparentes. D'abord, c'est impossible parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de transparence au niveau des élections. Ce sera difficile d'avoir des élections paisibles, pacifiées.
puisque la crise électorale de l'année 2020 poursuit. Ceux qui sont de l'opposition, les membres du CNL en ont payé à leur tribut. Et alors, je crois que nous pouvons atteindre, je ne sais pas, je ne veux pas dire une catastrophe. Le pays est en faillite, en fait. Quand les autorités commencent à avoir peur, normalement, quand les dirigeants peuvent conduire le pays au développement ou à la stabilité, quand ils travaillent quand ils ont une vision et qu'ils conduisent cette vision avec toute assurance. Or, nous avons des autorités qui ont peur de perdre, qui ont peur d'être découvert, qui ont peur de faire face à leur bilan catastrophe. Alors, je me dis que la catastrophe, la faillite qui vient d'être même annoncée par le président de la République risque de La catastrophe qui vient d'être annoncée par le président de la République risque d'être préparée et de conduire à une véritable catastrophe pour qu'il cherche à s'en sortir. Dans l'incapacité de conduire les élections ou même d'aboutir à leur conclusion, je pense qu'à l'intérieur du parti au pouvoir, nous pouvons attendre qu'il y a des gens qui sont déjà agacés par certaines attitudes, d'abord par ce bilan négatif, et un bilan négatif qui est accompagné d'un négationnisme arrogant et même je ne vois pas comment vraiment qualifier les attitudes des autorités face à la catastrophe économique, politique, sociale, si ce n'est que se moquer de la population et de manière consciente et sciemment, ils le font. Donc, mes attentes ne sont pas du tout positives. Oui, puisque les élections sont prévues, il y aura un semblant d'élection, un taux de participation qui va s'évaluer à partir de quoi? Puisqu'il n'y a pas de voix contradictoire, il n'y a pas cet espace politique, il n'y a pas d'espace civique. Quand on n'a pas la liberté de s'exprimer, de critiquer, de proposer, même de participer à la campagne électorale pour présenter son programme ou d'engager un débat contradictoire sur tous les médiums. Vous avez vu combien, à quel point la censure est très serrée et très féroce. Et là, je me dis que l'avenir est sombre. Est-ce qui peut nous sortir de là? Sûrement qu'au sein du parti au pouvoir, il y en a qui vont un peu fait le premier pas pour convaincre, pour presser, mais j'interpelle tous les Burundais à ne pas compter sur l'origine du problème comme solution, mais plutôt à compter sur eux-mêmes pour engager la pression, utiliser tous les moyens autorisés possibles pour amener l'autorité à choisir une autre voie. À choisir une autre voie après les élections 2027, parce que je ne vois pas que la période électorale peut être une période de changement ou de modification de la tendance. Merci Elali. Juste pour signaler que le débat est enregistré et je pense que vous l'avez constaté. Et Diomède, je ne sais pas si vous êtes là maintenant. Est-ce que Diomède, est-ce que vous nous entendez? Oui, mais là, je vous entends très bien. Ah, ok. Merci et bon retour. Merci Oui, merci. d'être venu aussi. Que pensez-vous de la situation au niveau du parti CNL? Comment interprétez-vous d'abord la situation et qu'est-ce qui va suivre selon vous? Est-ce qu'il va y avoir une résistance et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Bon, merci pour la question. Effectivement, par rapport à la question du CNL, c'est
Je ne vois pas beaucoup de choses qui vont se passer parce que c'est déjà, on a déjà acté et validé le congrès du 10 mars 2024, reconnaissant effectivement l'autorité de Monsieur Nestor. Et la voie qui reste pour le CNL, c'est vraiment d'intenter une action au niveau de la cour administrative. Alors, de par le passé, je sais que le parti Iprona avait intenté une action au niveau de la cour administrative et même au niveau de la cour suprême, qui avait même donné raison à un certain moment. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de suite et le parti Iprona a continué toujours à être divisé jusqu'aujourd'hui. Je sais que pour le moment, effectivement, le parti de réunir, lié, mais on voit très longtemps. Et ça, c'était la voie légale qui avait emprunté par le parti Iprona. Aujourd'hui, peut-être le CNL pourra probablement emprunter la même voie, mais cette voie souvent n'aboutit pas. Nous espérons que, bien évidemment, le comité exécutif sortant, y compris les dissidents, pourront toujours probablement se retrouver pour discuter de la question. Parce que chaque fois qu'il y a un conflit, la voie la plus normale, la plus autorisée, c'est de se rencontrer et pour discuter. Mais là, je crois que si on analyse effectivement aussi l'histoire du passé du CNL, parce qu'à l'époque, effectivement, le président du parti CNL avait demandé qu'il puisse organiser un congrès. Il avait même invité les dissidents, mais le 2 mars, il a été refusé, ce congrès a été refusé. Alors, du moment où les dissidents proposent la date du 10 et qu'il y ait effectivement même validation après seulement une semaine, je pense que souvent aussi ça va causer des problèmes. Alors, est-ce que la CNL va résister? Je pense que moi, le grand souci pour répondre à la question que vous avez posée, c'est de voir que souvent il y a cette complicité naturelle de tous les acteurs. Parce que quand on parle de l'espace politique ou l'espace public, on pense souvent que ce sont les partis politiques. Alors que généralement, ce n'est pas les partis politiques. Il y a la communauté internationale, il y a les organisations de la société civile, il y a même effectivement les Burundais qui sont à l'étranger. On ne devrait pas être les complices et ni aussi voilà, rester sous silence par rapport à cette situation. Je suis trop préoccupé, surtout par rapport effectivement à cette indifférence naturelle qu'on observe entre même les partis politiques au Burundi. Je disais, l'IPRONA a subi les mêmes problèmes, le FRODEBU a subi le même problème, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu, par exemple, les partis politiques qui ont subi le même sort entrer au moins de rédiger un communiqué pour au moins une solidarité. En fait, c'est ça le grand problème. Pour au moins rédiger une solidarité, probablement pour au moins dénoncer le processus. Ce n'est pas pour dire qui doit être à la tête du parti CNL, mais au moins dénoncer le processus et analyser et probablement faire des propositions dans le sens de dire que le processus n'avait pas été suivi le cours normal. Donc voilà, c'est ce qui moi c'est ce qui me préoccupe. Et je ne vois pas aussi une grande préoccupation aussi, c'est la communauté internationale. Les ONG qui travaillent sur les aspects de liberté publique. C'est vrai, on n'a pas beaucoup pour le moment à cause de la crise de 2015, mais nous constatons que de plus en plus, il y a le silence absolu quand il y a effectivement un procédé. Alors, quand nous parlons de l'espace public, moi j'entends tous ces acteurs qui devraient contribuer pour qu'effectivement, au moins le parti politique au pouvoir puisse comprendre que la démocratie est un débat de tout le monde. C'est un débat pour pas du côté du CNL. Le CNL, c'est vraiment, pour le moment, c'est une grande préoccupation parce que il vient de subir effectivement cette situation. Mais pour le moment, beaucoup plus, on devrait focaliser notre attention sur aussi la part des autres. Et surtout, la victime ne peut pas se parler. La victime est toujours victime. On a besoin effectivement de hausser la voix. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut passer par toutes les voies. À l'époque, je discutais avec certaines personnalités. Je disais qu'effectivement, nous avons des mécanismes qui sont sur place, qui ne sont pas utilisés. Et je crois que tout le monde devrait s'y gérer dans ce sens pour qu'effectivement, parce que la démocratie, qu'on ne le veuille pas, ce pays où nous avons besoin de cette démocratie. Le CNDD a besoin de cette démocratie. Et quand on parle d'espace public ou d'espace politique, ce n'est pas, même le CNDD, même certains membres du CNDD peuvent ne pas avoir l'espace public pour s'exprimer. D'ailleurs, on voit qu'il y a des gens qui le disent comme ça. Mais alors, c'est important qu'on puisse comprendre que le débat de la démocratie, c'est un débat de tout le monde. C'est Mitterrand qui disait qu'on ne peut pas laisser aux seuls politiciens le débat politique, y compris les chercheurs, y compris
les autres organisations doivent intervenir pour pouvoir essayer de faire comprendre que c'est une richesse. D'ailleurs, vous vous souvenez. Alors, il y a quelqu'un qui y a professeur qui a dit que on a souvent vu seulement que la démocratie a eu lieu seulement lors de monsieur du prince Louis Ouagasolé. Moi, je pense que même en 2005, on a connu quand même une certaine participation des partis politiques. On a vu le CNDD-FDD, on a le FODEBO participer. Et vous vous souvenez que même si on regarde les résultats, le CNDD-FDD avait plus ou moins plus de 60%. Et le FODEBO, à l'époque, avait, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais c'était autour de 30%. Et il prenait aussi autour de combien? Alors, moi, je me dis que au moins en 2005, nous avons observé des élections et après en 2005, nous avons vu qu'il y avait des effets positifs. La croissance économique a augmenté de plus de 5%. Et on avait connu même un résultat de la dette qu'on avait et le Burundi avait participé effectivement de la croissance. Et le chômage était encore une fois acceptable. Aujourd'hui, comme on organise souvent mal les élections, on voit qu'il y a des répercussions négatives et par conséquent, si on analyse la croissance économique, aujourd'hui nous sommes à 2%. Et le chômage est estimé à plus de 30%, y compris l'inflation qui est estimée à 33%. Alors, quand on parle d'inflation, on parlait de la pauvreté, il faut comprendre que c'est la perte du pouvoir d'achat. Donc, on se demande si effectivement le CNDD-FDD aussi pourrait toujours continuer, même à gagner les élections, mais même si le CNDD-FDD gagne les élections, alors qu'il n'y a pas la validation des élections au niveau international, s'il n'y a pas l'appui budgétaire de la communauté nationale, s'il n'y a pas la croissance au niveau interne, s'il n'y a pas l'agriculture, s'il n'y a pas les infrastructures, même si on gagne les élections, on n'a pas un avantage comparatif. Et quand on dit le dirigeant, c'est quand il a des ressources à distribuer. Alors, je pense que, quel que soit le pouvoir du CNDD-FDD et le pouvoir, y compris les partis politiques de l'opposition, je suis très content que, par exemple, Francis participe dans ce débat. Je suis très content aussi que même les diasporas devraient toujours faire ce qu'il a toujours fait pour faire avancer le processus de paix. Le processus de paix, mais aussi le processus de la démocratie et surtout la participation publique pour nous assurer que d'ici 2027, éventuellement, ou 2025, parce que s'il y a la volonté de coopérer et de faire avancer, c'est toujours possible. Ce qui est important, c'est de comprendre que chacun devra jouer ce rôle. Voilà, c'est tout ce que je dois dire pour le moment, effectivement, pour répondre à votre question en rapport avec l'avenir du CNL. Je crois que le CNL devra continuer toujours à lutter pour qu'il y ait effectivement un régime, parce que c'est une élite. On n'entre pas dans la politique pour quitter demain. Et toujours, on n'a pas un cadeau souvent. C'est une élite. Et j'espère à l'OCNR, même la population, y compris d'autres acteurs, continuer toujours à lutter pour qu'un jour on puisse arriver à cette démocratie qu'on espère et qu'on aime avoir. Nous sommes pour le moment dans une situation de vraiment dans la démocratie transitoire parce qu'on a reconnu les partis politiques. De toutes les façons, les partis politiques devront toujours faire en sorte qu'ils puissent résister et pouvoir effectivement se doter des moyens et se rassurer qu'ils puissent toujours rester. C'est cet espace qui est très limité, mais je crois fondamentalement que le Burundi pourra être sauvé si effectivement on reste dans la voie démocratique. Si on va en dehors de ce cadre-là, le Burundi pourra se retrouver dans les conflits que nous avons connus. Là, je ne vais pas répéter en 93, je ne vais pas répéter en 72, je peux répéter même en 2015. Chaque fois qu'il y a l'espace public ou politique déverrouillé, plutôt verrouillé, on retourne toujours dans la phase de départ. Voilà tout ce que je dois dire. Je pense que probablement les autres avaient déjà dit ça, mais c'était juste pour répéter et dire que nous sommes ici au Burundi. Nous pensons que c'est important de pouvoir comprendre que la participation politique est une affaire de tout le monde et non pas d'un parti du CNL ou d'autres partis même. Je crois que c'est une préoccupation de tous les Burundais. Je vous remercie. Il y a un libéral, Ntibashira Gandhi, qui écrit que la démocratie, ce n'est pas seulement les chiffres. Les chiffres là dont vous avez parlé, de l'espace public et politique, qui était, selon vous, très bon dans le passé. Il dit que ce n'est pas les chiffres qui marquent la situation, la démocratie qui se portait bien. Est-ce qu'il parle de quels chiffres, par exemple? Les chiffres économiques, les chiffres socio-économiques ou quoi? Quels chiffres? Peut-être qu'il peut développer. 2005, c'était la démocratie. Ce sont les chiffres que vous avez donnés.
Ce n'est pas le cas. La démocratie, ce n'est pas les résultats. Pourquoi je dis que les seules élections démocratiques datent du temps du prince du Guagasore? Parce que tout simplement, le Guagasore était soutenu par tous les Burundais, sans distinction ni de religion, ni d'ethnie. Donc, il était un véritable rassembleur. Ce n'est pas les élections n'ont pas eu de cachet ethnique. C'était vraiment des élections. Les résultats étaient, comment dirais-je, vraiment une véritable démocratie qui reflétait la volonté des Burundais pour accéder à l'indépendance. Tandis qu'en 2000, de cette guerre, et d'ailleurs la preuve, si c'était une démocratie, le CNDD-FDD n'aurait pas géré après 2005 la façon dont le pays a été géré. Les assassinats ont commencé. C'était une véritable dictature militaire. Donc, c'est ces chiffres auxquels je faisais allusion. Comme j'ai la parole, je voulais en profiter pour vraiment comment dirais-je, insister sur une chose. Dans une démocratie, enfin, une nation, c'est un territoire avec des frontières, mais aussi un peuple et des institutions. Et en plus, il faut des instruments juridiques. Je fais allusion à la Constitution, justement pour que la nation puisse fonctionner dans le strict respect de la loi. Il y a bien sûr les institutions, trois pouvoirs, exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire, avec une indépendance totale du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas le cas au Burundi. Un exemple très parlant, par rapport à 2015, la Cour de justice de l'EAC a, disons, tranché que le troisième mandat du président Nkurunziza était totalement illégal. Et le Burundi a signé une convention. Normalement, le gouvernement burundais devrait exécuter le jugement. Hein? Et donc, quand vous parlez de la justice burundaise, que le CNL doit, disons, faire recours à la justice, etc., sachez que ça ne sert à rien. Hein? Parce que tout simplement, le droit n'est pas lu correctement au Burundi et les exemples sont nombreux. Alors, pour moi, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est Guasa résiste. Autrement dit, voilà, il refuse ce choix du pouvoir de diviser le Sénat en deux parties. Et là, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Sachant quand même, il faut reconnaître que le Sénat, me semble-t-il, de tous les indicateurs, montrait en 2020 que le CNL aurait gagné les élections. Donc, théoriquement, le parti est majoritaire au Burundi. Deuxième scénario, c'est effectivement essayer de faire recours, pas à la justice burundaise, mais plutôt à la Cour de justice de l'EAC. Et je crois que le président du CNL, qui, je ne sais pas s'il est entré, il était dans la sous-région en tout cas, et je pense qu'une Il est des pistes rentré, serait il est rentré. il est rentré, voilà. Oui. Donc, une piste, c'est justement d'essayer de porter plainte devant la Cour de justice de l'EAC. Et, mais là aussi, Il a dit qu'il va d'ailleurs organiser un autre congrès. à notre congrès, voilà. Donc, tout simplement, ce qui va se passer, il y a un risque énorme que les membres du CNL soient pourchassés, comme on l'a vu en 2010, en 2015, même entre 2015 et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, il y a un risque du CNDD-FDD de recourir à la terreur. Alors, je terminais par là, une observation en fait. Dans les démocraties, à travers le monde, dans les pays démocratiques, il est tout à fait normal
qu'il y a décomposition de la classe politique avant les élections, notamment en faisant des alliances, et après les élections, il y a recomposition, notamment pour constituer la majorité. Malheureusement, chez nous au Burundi, c'est dramatique. Au lieu comment dirais-je, de faire une décomposition dans le but de mettre en commun des visions, des programmes de partis politiques, on observe plutôt le parti au pouvoir qui muselle les autres forces politiques pour faire en sorte que, lors des élections, finalement, on instaure au Burundi un parti unique, finalement. Donc, bien sûr, même si le CNDD-FDD gagne les élections en 2025 à 2027, il y aura une certaine recomposition parce qu'il y aura de petits partis satellites qui vont commander quelques postes ministériels. Et voilà. Donc, pour dire, en fait, aujourd'hui, en regardant, comme je le disais tantôt, la situation socio-politico-économique et sécuritaire du Burundi, et les forces militaires burundaises, l'armée burundaise qui est impliquée dans une guerre qui ne concernait pas le Burundi, je veux dire à l'est du Congo, tous ces éléments interpellent tous les patriotes burundais de se mettre ensemble, de dépasser justement tous les clivages qu'on peut imaginer pour, pour faire une pression, pour arrêter des stratégies de sauver finalement la nation qui risque de faire faillite, comme le président Evariste Ndayishimiye l'a annoncé ces derniers jours. Merci, professeur. Et Diomède, vous pouvez dire quelque chose pour clôturer cette question de démocratie du passé et cette situation au niveau du CNM. Oui, entendez? Oui, vous avez la parole. Oui, merci. Ah, oui, c'est vrai. Libéral a raison de dire qu'effectivement, la démocratie, ce n'est pas des chiffres. Oui, c'est vrai. Je suis très convaincu que ce n'est pas les chiffres. Il y a beaucoup de choses pour la démocratie. Et si ce n'est pas les élections, même si vous voulez, c'est beaucoup de choses. C'est la séparation du pouvoir, c'est l'état de droit. Il y a beaucoup de choses quand on parle de la démocratie. Mais effectivement, si on fait référence à 1962, avec l'indépendance, avec le prince Louis Assolé, effectivement, le contexte a évolué. En fait, c'était juste une comparaison pour dire que au moins les moments qu'on a connus de participation politique, c'est peut-être en 93 et plutôt aussi en 2005. Voilà, c'était juste pour dire que on a connu quand même une participation voilà, active de beaucoup d'acteurs avec une compétition voilà, remarquable. Mais c'est vrai, pour le cas du Burundi, je disais que nous sommes dans la démocratie transitoire. Aujourd'hui, il y a un recul là. Je ne vais pas y revenir. Je suis conscient que c'est comme ça que ça marche. Alors, maintenant, effectivement, comme on parlait de la démocratie, est-ce que la justice est indépendante? Et je donnais un exemple qui, pour le cas du Burundi, par exemple, il prenait à l'époque, avait intenté une action contre la mesure pour les dissidents, mais ça n'a pas donné. Alors, je crois qu'effectivement, ce que je pense, c'est ce qui est important, c'est de voir effectivement qu'est-ce que le CNR devra faire. C'est vrai, probablement, le CNR devra intenter une action au niveau de l'EAC. Mais aussi, effectivement, comme Libéral disait, on a connu un cas, on n'a pas encore voilà, donné raison, même Moi, je me dis que ce qui est important pour moi, c'est entre toutes les parties prenantes, qui voudraient que la démocratie avance, quel que soit au niveau local, de tous les acteurs. Parce que c'est à ce niveau-là que probablement on pourra faire pression éventuellement pour que le pouvoir en place puisse comprendre de la nécessité. De la nécessité de la démocratie. Parce que je donnais un exemple purement et simple qu'en 2005, quand il y a eu une élection entre guillemets transparente, inclusive, de la manière d'un pays qui venait de la guerre, nous avons vu quand même aller mieux. Là, il ne faut pas oublier qu'en 2005, le Burundi a connu une croissance de 5%. Et nous avons construit pas mal de maisons ici. Donc, on a connu un régime de la dette. Il y avait des mesures, c'est vrai. C'était des mesures universelles, notamment l'éducation gratuite et les autres, voilà, d'autres avantages. Mais on voit qu'à l'époque, le gouvernement était très apprécié. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine méfiance si on analyse l'appui budgétaire. Pour le moment,
On voit que le budget qui était estimé à plus de 45%, c'est estimé aujourd'hui à moins de 20% pour certains appuis. Donc voilà, la démocratie, on doit d'abord faire comprendre non seulement les partis politiques, mais aussi même le gouvernement devrait comprendre d'où l'intérêt. C'est vrai, une petite partie pourra bénéficier d'un avantage quand ils vont gagner les élections, mais une grande partie continuera toujours à vivre le calvaire. Il n'y a pas de cela, je faisais une conférence de presse pour montrer que maintenant, on entretient un mensonge en disant, par exemple, qu'un dollar coûte 2 800, alors que tout le monde sait que c'est 5 000. Donc voilà, je veux dire, la démocratie, c'est vraiment un bien de tout le monde. Et les gens devraient contribuer à ce qu'il y ait, et voilà, cette avancée démocratique. Et c'est possible. Et c'est possible par tous les fronts. Mais effectivement, comprendre que ce n'est pas tout perdu. Et je vois qu'il y a déjà qui se battent. Mais le risque, c'est effectivement, moi, je vois, mon grand souci, c'est de voir qu'il y a une certaine désolidarité des partis politiques. Parce que quand on voit que ça ne marche pas, on ne voit pas la solidarité. Et le Burundi a toujours eu la chance d'avoir une solidarité pour qu'il y ait un certain progrès dans un domaine X ou Y. Voilà, c'était juste pour réagir à chaud par rapport à la question de la démocratie. Nous devons comprendre que c'est une démocratie moins transitoire, mais nous sommes là parce que nous avons reconnu que les partis, c'est vrai. À l'époque, je crois qu'on avait introduit le multipartisme, probablement que les politiciens pensaient que c'est vraiment du jeu. Je crois qu'après 2 ans, c'est pour cela que Ndadaye avait été assassiné. Déjà parce que quand on est dans la démocratie, on peut toujours jongler, mais il y a toujours des limites. Oui, c'est vrai. Donc, on doit continuer à lutter pour qu'il y ait cette démocratie qu'on aspire tous. Voilà. Merci. Je voudrais signaler juste pour les autres participants que vous pouvez poser des questions à travers le chat ou bien vous pouvez également lever la main et puis on va vous accorder la parole pour poser directement en live votre question. Francis Roero, il y a certains qui disent, qui ont dit d'ailleurs au cours du débat, que les conditions minimales pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et inclusives ne sont pas réunies. Est-ce que, à votre avis, vous pensez que les élections peuvent être reportées? Est-ce que c'est possible de reporter les élections? D'abord, je reviens sur certaines choses. Et qui organise les élections au Burundi? C'est le peuple burundais ou c'est le gouvernement? Le gouvernement appartient à un parti politique, c'est-à-dire il organise les élections telles qu'il le conçoit et personne, à la limite, n'a le droit de s'y opposer. Donc, nous sommes en Afrique, nous sommes au Burundi et c'est ce que j'ai dit avant. Je l'ai dit tantôt dans d'autres circonstances. Les gens qui gouvernent nous donnent ce qu'ils ont. C'est comme ça que c'est fait. Et à la limite, ceux qui ont tenté de vouloir s'y opposer, vous vous rappelez, il y a quelques 9 ans, en 2015, vous avez vu comment ça se termine. Donc, je ne suis pas là pour dire que il y aurait des conditions. Les élections se passent selon la volonté, la manière dont celui qui gouverne le veut. Et c'est ainsi fait. Je ne suis pas là pour changer ou pour imaginer que ça peut être reporté. La réalité est que en Afrique, c'est le pouvoir qui le fait, tel qu'il entend, et vous participez ou vous laissez, ça se passe ainsi. Donc, dans d'autres circonstances, telles que j'ai dit, parce qu'on est en train de vouloir certaines choses, j'ai entendu quelqu'un, les gens veulent des élections libres et transparentes. À la limite, les autres disent qu'il faudrait même qu'il y ait une certaine contrainte à l'égard du pouvoir pour qu'il fasse ce qui est acceptable, ce que nous voudrions nous tous. Et là, c'est là le problème. Qui sont les gens qui gouvernent? Quelle est l'éducation qu'ils ont eue depuis le début? Quelle est la formation politique qu'ils ont reçue pour qu'ils nous donnent ce que nous voulons? C'est là la question. Parce que des fois, on veut qu'ils nous donnent ce que nous voulons. On veut que la situation soit meilleure, alors que personne n'a rien fait depuis 10 ans, depuis 20 ans, pour que les gens aient un sentiment propre pour nous offrir ce que nous voulons, ce que nous méritons à la limite. Et c'est pour cela que je dis, je n'attends pas une amélioration ou je n'attends pas quelque chose de meilleur ou donc des élections. Madame Elali l'a dit, je ne suis même pas en train de faire de la pression pour qu'ils me donnent ce que je veux, mais plutôt je me place
dans une réalité que les choses vont ainsi. Il y a des gens qui ont dit, même l'autorité suprême l'a dit, le Burundi va mal économiquement. Et les gens sont là, ils doivent l'accepter. Et aujourd'hui, quand j'entends Diomède, d'autres, ils disent, il faut la démocratie, il faut des valeurs. Est-ce que ces valeurs tombent subitement quand on arrive aux élections? Est-ce que la démocratie, c'est quelque chose qu'on vit parce qu'il y a un événement qui s'appelle élection? La démocratie, c'est un sentiment, c'est des valeurs qu'on doit avoir en soi. Certaines personnes à qui on demande un certain niveau de justice, un certain niveau de compréhension de la situation, peut-être qu'ils n'ont jamais vécu ces choses-là. Est-ce que c'est à la veille des élections qu'ils vont le faire? Donc, je n'attends pas le changement des individus subitement du jour au lendemain parce qu'on va aux élections. Donc, je considère que ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils nous donnent ce qu'ils ont et c'est comme ça qu'ils entendent les choses. Il y a quelqu'un à côté de moi qui était en train de dire, est-ce que ces gens-là, s'ils ne changent pas, c'est comme si on est en train de vouloir qu'ils soient des saints ou qu'ils nous donnent ce qu'on veut. Non. À la limite, aujourd'hui, je me dis, c'est plutôt le comportement des autres acteurs qui doit s'adapter à cette situation pour essayer de rehausser la barre. À un moment donné, c'est ce que moi j'imagine. Donc, je ne suis pas ici pour vouloir que les gens qui sont au pouvoir, le CNDD-FDD en l'occurrence, changent pour m'offrir ce qu'ils ne peuvent pas m'offrir. Est-ce qu'ils se sont formés à m'offrir des droits? Est-ce qu'ils se sont formés à nous offrir une situation meilleure que celle-ci? Ou ils se sont formés justement à nous donner ce qu'on est en train de recevoir? Je crois que c'est ça la question. Et des fois, on veut une situation meilleure, qu'on nous donne ce qu'on veut. Donc, on est en train de discuter sur des valeurs que peut-être ces gens-là ne comprennent même pas. Donc, si l'émission est pour qu'on imagine qu'ils peuvent nous donner ce que nous voulons, je ne comprends pas pourquoi on devrait faire ce genre d'émission. Mais par contre, nous sommes un peuple. Au Burundi, beaucoup de gens, si vous vous rappelez, il y a beaucoup de gens, même dans le parti au pouvoir, beaucoup de gens qui pensent que les choses pourraient être améliorées. C'est dans ce sens que le débat devait être fait, mais sans nécessairement s'imaginer que le pouvoir va décider demain qu'il va faire des élections transparentes. Donc, je n'attends pas à ce que ça se passe ainsi. Et je prends aussi l'exemple. Monsieur Libéral nous dit ici, il y a eu à un moment donné des élections qui pourraient être jugées d'acceptables. Pour moi, si vous voulez, ce n'est pas la manière dont on accède au pouvoir qui justifie qu'il y a la démocratie. J'aurais aimé que quelqu'un arrive même de façon rocambolesque au pouvoir, mais qui nous offre que ce qu'il a, s'il a des valeurs, s'il croit en quelques valeurs, qui nous les offre. Il y a des gens au Burundi qui sont arrivés au pouvoir par des putsch, mais qui curieusement nous ont offert quelque chose de meilleur. Donc, que vous veniez de façon légale, que vous veniez de façon, si vous voulez, acceptable même par la communauté internationale, qu'est-ce qui me garantit que vous avez ces valeurs au fond de vous que vous pouvez les offrir? Et à un moment donné, je m'imagine, des fois nous recevons ce que nous méritons. Je me rappelle quand des gens disent que Monsieur Diomède, il le dit, qu'on devrait se lever pour nous battre pour tel, je me rappelle, en 2010, les gens qui allaient aux élections, ils sont sortis du processus électoral et subitement Liprona est resté et il a continué dans les élections et d'autres, d'une certaine manière, l'ont regardé d'un œil qui n'était pas bon en disant que eux ils sont partis et les Ipronites sont partis profiter de la situation. Et je me rappelle qu'en 2015, curieusement, une même situation s'est produite. Monsieur Wassa a répondu quand les gens lui ont demandé pourquoi il est entré au gouvernement, il a dit que il avait fait une erreur en 2010 en sortant et que maintenant, lui aussi, il profite de la situation pour entrer. Alors, je me dis aujourd'hui, quand les gens au pouvoir subissent des torts par rapport à leurs agissements parce qu'ils changent du jour au lendemain, est-ce que nous pouvons vraiment nous apitoyer sur leur sort? C'est ça la question, parce que le Burundais, il change à tout moment. Je vois aussi, il y a des gens qui, en 2015, qui ont pris l'option. Comme moi, par exemple, nous avons dit qu'on n'était pas pour le troisième mandat. À cause de cela, certains sont restés, ils ont subi des conséquences, d'autres sont partis à l'étranger. Vous savez tout ce qui s'est passé. Mais du coup, quelques 2 ans après, vous voyez quelqu'un qui était parti, qui était contre, qui a, d'une certaine manière,
cogner sur le pouvoir en place en disant tous les maux de ce pouvoir, mais vous le voyez descendre à Bujumbura, subitement en 2020, qui collabore avec ce pouvoir, qui dit que tout est bien. Donc, c'est ce que moi j'imagine. Est-ce que l'homme politique que nous sommes aujourd'hui, est-ce que s'il change du jour au lendemain, s'il change de casquette, si toutefois il fait des choses qui ne sont pas cohérentes sur 3 ans, sur 4 ans, sur des périodes vraiment visibles, est-ce qu'on peut s'apitoyer sur ce genre d'homme politique en voulant que l'autorité fasse ce que nous voulons? Et il faut aussi ra nous rappeler ce qui arrive aujourd'hui avec le CNDD-FDD, ça arrive, mais ça n'a pas toujours été meilleur à d'autres situations. Je me rappelle que des cas, des partis qui se scindaient ou qui étaient divisés par des ministres de l'Intérieur, ça c'est arrivé à l'époque du Frodebo, vous vous rappelez, c'est arrivé à l'époque du Doliprana. Donc, il y a toujours eu, les pouvoirs ont toujours recouru à ces mécanismes de déranger les partis en recourant à leur pouvoir, au fait qu'ils étaient au pouvoir. Donc, je me dis, est-ce que le problème est véritablement un problème seulement de pouvoir? C'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership. Et tant que nous avons les leaders que nous méritons, entre guillemets, si nous avons les leaders que nous méritons aujourd'hui, il faut qu'on l'accepte. Je ne suis pas en train de vouloir que ce genre de leader me donne ce que je veux. Au contraire, il faut que la pensée s'améliore pour que les autres s'imaginent comment on peut faire. Et cela ne se résout pas à la veille d'une élection. Ce n'est pas nécessairement demain qu'on va vouloir ce qu'on veut. Par contre, je dis, on participe comme je suis venu participer à cette émission. C'est pas parce que j'imagine que cette émission va me donner des solutions miracles, mais ça m'aide à rencontrer d'autres partenaires du Burundi pour qu'on réfléchisse notre mémoire et pour qu'on aille loin. Comment on peut changer pour que cette population, qui a majorité, si vous voulez, aujourd'hui, comme on a dit, c'est pas question de chiffres parce que pour moi, l'élection ne me donne pas les chiffres de ce que les gens ressentent au fond, mais cette population qui attend beaucoup économiquement, socialement, ce peuple a besoin de suivre un nouveau leadership, des gens qui peuvent bien penser, comme j'entends de bonnes pensées ici. Il faut qu'on se dise, est-ce qu'on ne peut pas préparer cette population à aller loin dans 10 ans, sans imaginer qu'on veut une élection propre l'année prochaine? Cela n'est pas possible, mais il faut que les gens se préparent. J'ai envie que ce que Libéra dit quand il le dit en parlant des valeurs, j'ai envie que ce que Diomède dit et ce que les autres ont dit, qu'on investisse dans une nouvelle génération, qu'on investisse dans cette jeunesse qui nous écoute, cette jeunesse qui en a marre, si vous voulez, des partis politiques, qui en a marre des ethnies, mais qui se dit, on a besoin d'un revenu, on a besoin du travail. Et c'est dans cette jeunesse qu'il faut investir. Au lieu de nous poser des questions qu'il y aura l'année prochaine des élections libres et équitables, ce ne sera pas possible. Il faut donc qu'on investisse loin au lieu de vouloir que des gens qui sont au pouvoir nous donnent ce qu'on veut. Moi, j'irai aux élections l'année prochaine, non pas en cherchant nécessairement une victoire ou qu'on me traite comme un prince. J'irai aux élections parce que je veux donner l'espoir à ce peuple qu'il y a des gens qui sont persévérants et qu'on va rester. Je le ferai parce que j'ai cette opportunité d'être là. Ce n'est pas que je subis le même sort que Wassa demain. Je sais que c'est possible, mais je félicite le courage de Wassa et des autres qui essaient toujours de continuer. Et je vous appelle, vous autres aussi qui êtes là, organisons-nous pour continuer, si vous voulez, cette lutte, cette logique. Dans la non-violence, toujours, comme je l'ai toujours dit, continuons, non pas en imaginant qu'on va nous donner demain des conditions favorables, mais que le peuple doit croire en quelque chose, même si ce n'est pas encore arrivé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Francis. Il y a quelqu'un dans le public qui veut faire, je sais pas, une proposition, un commentaire. Chrysostome, vous avez une question ou bien c'est une contribution? Mais si ce n'est pas seulement une question, mais c'est aussi une contribution, c'est. Nous sommes ici pour discuter de l'espace politique au Burundi, non pas seulement pour les prochaines élections de 2025 et 2027, mais c'est pour le futur du pays, puisque c'est pour essayer au moins de ne pas trahir nos anciens qui avaient milité pour qu'il y ait des textes réglementaires, notamment. La Constitution et l'accord d'Arusha qui peut-être a contribué quelque chose pour le Burundi. Mais nous sommes ici pour discuter l'avenir du pays, non pas pour le cas de Gwasa, c'est bien, c'est délicat, ça montre où nous tendons vers, mais nous devons réfléchir dans le sens de trouver une solution qui sera durable pour la vie future. Je vais revenir sur le système politique au Burundi. Notamment, nous devons réfléchir sur le système juridique au Burundi. Surtout qu'on n'a pas la haute cour,
Dans la justice, pour juger nos leaders qui dérapent souvent, ça on n'en revient pas souvent, mais c'est très important pour la vie d'un pays. Tant que les hautes autorités n'ont pas de quoi rendre compte, l'espace politique sera toujours. Mais nous devons aussi réfléchir sur ça pour les pousser. Ce n'est pas évident, ils ne vont pas nous donner gratuitement à la Haute Cour de justice ou d'autres espaces politiques, mais c'est une élite. C'est une élite, on ne sait pas quand, mais on doit continuer. Je veux aussi revenir ici. Le parti SNDF de nos croix et nos croix jamais aux accords d'Arusha ou à la Constitution. Ils ont bien dit, bien avant, qu'ils n'adhèrent pas aux décisions de l'accord d'Arusha. L'exemple est je me rappelle pas, c'était en 2000. Quand quelqu'un a dit que tous ceux qui se sont présentés aux accords d'Arusha doivent être tués, c'était un membre du parti SNDFDD. Mais on n'a pas détecté ça. Et aussi, le parti politique ne croit pas en soi aux accords d'Arusha. Alors que l'accord d'Arusha avait contribué pour l'amélioration de l'espace politique au Burundi et aussi des textes réglementaires qui en ont ici. Si on lit bien l'accord d'Arusha, c'est bien, il a des lacunes, mais quand même, il peut contribuer à la survie d'un pays et à le développement durable. Je veux aussi revenir, par exemple, sur le cadre, ils ont déjà revenu sur ça, sur le cadre du jugement de la Cour est-africaine. La Cour est-africaine a déjà donné un point de vue, c'est ce que la société civile burundaise l'avait saisi. Il s'est prononcé, mais le président en exercice qui a mis dans le tiroir les décisions de la décision. Je ne vais pas revenir sur ça, mais ça montre là où nous tendons vers. Je veux aussi revenir sur certaines questions, surtout pour la. Je ne suis pas ancien dans la politique ou aussi dans la vie politique, mais ce que nous avons vécu, c'est que les élections de 2005, peut-être si, même s'il n'a pas, s'il avait, les votants avaient des tendances ethniques, mais quand même, les résultats de 2015, de 2005 avaient contribué au pays, surtout. Après 2005, l'espace politique, vraiment, franchement, il y avait la liberté d'expression, surtout au niveau des médias. Chacun s'exprimait, c'est bien, bien, quand bien même le pouvoir essaie de les empêcher de mettre, mais quand même, il y avait une avancée par rapport à ce moment où nous sommes. C'est mon point de vue. Mais je vais poser des questions en rapport avec les intervenants sur certains points. Ça concerne les élections de 1961. Si je consulte je vais poser cette question surtout à Denis. Il est historien, je connais bien. Il connaît bien l'histoire aussi, à Libéral Nibashirakandi. Si la question des élections de 1961, si on lit dans les textes, on dit qu'un député était élu dans une circonscription, est-ce qu'il y avait des listes bloquées? C'est cette question. Je réfléchis aussi, si je pose aussi la question si c'est au cas pour Francis, est-ce que dans son parti politique, il soutient les listes bloquées ou non? Je veux son point de vue. Et aussi, ce qui est arrivé pour le Et aussi, je vais aussi poser la question à Francis Rovero concernant la décision que le ministère de l'Intérieur a pris acte de l'Assemblée extraordinaire de ces dissidents. Je vais poser, quel est le point de vue du forum des partis politiques? Puisque c'est intéressant, ça, même si nous sommes, même si parmi, il y a des Mais partis il n'est pas le représentant de ce forum. Je vais poser également une question à Libéral Nibashirakandi. Si les résultats les dix identités des élections de 2005, est-ce qu'au niveau du MAP Burundi, il y croit aux accords d'Arusha ou non? Aux accords d'Arusha, puisque l'accord d'Arusha a prévu qu'il y a des quotas ethniques dans la constitution du Burundi. Est-ce qu'au niveau du MAP Burundi, vous croyez aux accords d'Arusha ou pas? Merci.
Merci beaucoup, Chrysostome. Les panélistes peuvent répondre aux questions. Je voudrais commencer par Denis. Et Denis, est-ce que vous pouvez parler? Merci, merci beaucoup Émile, merci beaucoup Chrysostome pour la question. Je ne suis pas vraiment sûr si je vais satisfaire Chrysostome sur la question des listes bloquées parce que j'ai pas vraiment fait une recherche pour savoir si en 61 il y avait listes bloquées ou pas. Ce que je sais, c'est que Liprona avait ses députés et les autres partis dont le PDC avait ses candidats députés. Alors, si Liprona a été élu, c'est parce que Liprona avait présenté des candidats dans les à l'époque. Mais ce que nous devons savoir, il faut pas, je dirais, jeter des pierres ou bien cliquer des listes bloquées parce que là où il n'y en a pas, là où il y en a, il y a des raisons. Là où il n'y en a pas aussi, il y a des raisons. Ce que vous devez savoir, c'est que au niveau, peut-être pour les partis politiques, on veut dire, OK, c'est pour éviter le désordre, afin de dire, on veut que le candidat que nous voulons soit soutenu. D'une certaine manière, c'est vrai, mais aussi c'est priver aux citoyens un choix libre. Parce que on peut avoir un candidat dans un parti qui soit vraiment un bon candidat, mais lorsque la personne n'est pas alignée sur la liste de son parti, alors qu'il jouit d'une certaine popularité, il ne va pas être voté, même si cette personne se présentait comme un indépendant. Mais aussi, dans un pays, je dirais, pauvre comme le Burundi, une liste bloquée peut dire, OK, si tel député est nommé dans un autre poste ou bien quitter la législature ou bien quitter son siège au Parlement, on sait qui va le remplacer. Mais tandis que s'il n'y a pas de liste bloquée, si c'est un candidat libre qui est allé, on doit, si la personne n'est plus dans sa place, dans son siège de député, on doit organiser de nouvelles élections pour le remplacer. Et ça coûte de l'argent et ça coûte du temps. Donc, je crois qu'il y a des exemples qu'on pourrait citer. Donc, peut-être c'est une recherche qu'on pourrait faire pour savoir si réellement, bien quelqu'un qui a la réponse peut le donner à Chrysostome pour savoir si réellement en 1961 il y avait les listes bloquées ou pas. Mais à ce que je sache, je n'ai jamais entendu qu'au Burundi il y a eu des listes ouvertes où chaque candidat peut se porter candidat, soit sous l'étiquette d'un parti ou pas, ou d'une manière ouverte comme ça. Voilà. Je peux Merci, m'arrêter par là. oui, merci Denis. Avant d'accorder la parole à Francis, j'accorde la parole à Libera pour répondre aux questions. Oui. OK, merci. En 1961, je n'ai pas aussi la réponse s'il y avait des listes bloquées ou pas. Seulement, ce que je pourrais dire, je suis né 2 semaines avant les élections, en 1961. C'est ma mère qui m'a dit ça, la référence de ma date de naissance. C'est un détail. Il y a eu 2 élections, en fait. Les premières élections, Ouagasol était en prison. Et ces élections ont été contestées. Et les Nations Unies se sont impliquées pour organiser les élections correctement, en fait. Et c'est donc au cours de deuxième élection que le parti Prona a gagné haut la main les élections. Ce que je sais aussi, c'est qu'il y avait 12 partis et chaque parti avait un symbole comme le maïs, etc. Et donc, à mon avis, ils élisaient un parti politique et certainement que le parti politique avait présenté la liste probablement des élus en fait. Donc je n'ai pas vraiment de la réponse. Il faudrait effectivement poser la question aux historiens comme Moroha ou Gahama ou faire une petite recherche sur Internet. Peut-être qu'on pourrait trouver la réponse. Alors, avant de répondre aux questions, je voudrais réagir par rapport, disons, à la vision
de notre ami excuse-moi, je vais une chose à notre ami donc Francis, pardon. Et je partage à 100% son analyse, hein, sauf sur une chose. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or. Et effectivement, il a souligné aussi, les Burundais aujourd'hui ont les dirigeants qu'ils méritent. Et quand je fais une projection en 2027, quelle sera la situation économique du Burundi? Quelle est la situation au niveau social, que ce soit dans le domaine médical, de la santé, au niveau de l'éducation, etc. Et chacun parmi les participants pourrait se donner une réponse. Donc, il y a une urgence. Et cette urgence, c'est utiliser tous les moyens pacifiques, je le précise bien, pour peser, pour au moins rétablir l'équilibre des forces politiques. Et ces moyens pacifiques ne manquent pas. Nous y travaillons. Nous y travaillons. Et donc, je ne vais pas étaler donc voilà, sur un plateau des stratégies, mais ne soyons pas défaitistes. Gardons le courage. Mettons-nous ensemble pour peser avec probablement les partenaires internationaux. Il est inacceptable que je suis belge, je suis belgo-burundais, je paye l'impôt, je suis totalement contre que je contribue à financer une dictature qui tue. Ici, je parlais de la coopération. On doit travailler sur tous les fronts. Comment imaginer, d'accord, le président dit que le Burundi a tous les moyens, riche, est capable d'autofinancer, notamment les élections, financer les projets, qu'ils aident aussi d'ailleurs les autres pays. Mais je ne peux pas m'imaginer la Belgique, l'Union européenne, des pays amis financer les élections sans les élections où il y aura un seul parti concurrent. Je ne vois pas. Alors, pour dire, si nous constituons un front solide et utiliser les moyens pacifiques, je pense qu'on peut au moins rétablir l'équilibre des forces au niveau politique. Donc, Mapfundi est dans cette démarche de contribuer au vaste rassemblement des forces vives burundaises pour justement faire en sorte que 2025, on puisse peser pour avant, bien sûr, 2025, c'est maintenant en fait. Donc voilà, je me limite là pour sur cette question. Donc je m'aligne à l'analyse de nos compatriotes, mais tout en lui disant que c'est maintenant qu'il faut bouger les lignes et que le pouvoir s'arrache, ne se donne pas sur un plateau d'or. Alors, la Haute Cour de justice et le jugement, plutôt je vais le lier avec l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha prévoit justement la Haute Cour de justice. Et bien sûr, parmi, j'allais dire, la lutte, il faut faire en sorte que le Burundi respecte la mise en place d'une Haute Cour de justice. Et le CNDD, effectivement, n'a jamais cru aux accords d'Arusha. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les élections de 2005 n'étaient pas démocratiques. Parce que, pour moi, les élections, il y a d'ailleurs notre sœur qui l'a souligné dans le chat, les vraies élections démocratiques, ce sont des élections qui permettent d'améliorer les conditions de vie de la population. Il ne faut pas confondre les élections qui ont eu en 2005, pardon, après une guerre qui a duré plus de 10 ans,
où tous les bailleurs, pardon, tous les bailleurs ont financé ce processus de négociation, il est tout à fait normal qu'il y a eu un léger mieux, mais au début, avec des discours démagogiques d'ailleurs, improvisés, des projets improvisés. Je voulais dire à notre ami que l'école primaire n'a jamais été gratuite au Burundi. C'est un mensonge. C'est une manipulation de la population. Demandez aux parents, avant cette mesure, soi-disant, cette disons, réforme, les frais d'inscription, l'élève payait, je crois, entre 150 et 300 francs bourg, notamment pour la couverture de l'assurance. Mais depuis que, soi-disant, cette réforme a été lancée, qui était un mensonge, frais qui sont demandés aux parents, soi-disant pour construire les écoles, soi-disant pour les veilleurs, etc. etc. Donc, c'est le chaos, c'est le bordel en fait. Et parfois même, parents qui arrivent à payer plus de 30 000 francs bleus. Ici, je parlais d'il y a en 2014, hein. Donc les chiffres, les mouvementés. Donc, il n'y a jamais eu de gratuité de l'enseignement primaire au Burundi. C'est une manipulation, justement pour presser la population. Alors, les élections de 2005, 2005 voilà, je réponds à la question, ça, la raison pour laquelle il y a un léger mieux par rapport au niveau économique. Pour la question de MAP pour le niveau Hiré, d'abord, je précise que même si le président et le porte-parole, nous sommes en dehors du pays, MAP pour le niveau Hiré est implanté au Burundi et dans tous les pays où résident nos compatriotes burundais. Et ici, je souligne aussi la différence entre, à ne pas confondre, disons, le comportement de certains hommes politiques. Nous ne sommes pas là pour aller au pouvoir et aller s'enrichir. Non, nous avons un code de conduite qui met en avant des valeurs de Mapfundo. C'est le premier article de nos statuts en 9 points, dont la responsabilité et la redevabilité. Et bon, ici, le but, ce n'est pas de promouvoir l'idée de MAP, mais sachez que nous sommes des hommes et des femmes intègres et qui nous souhaitons, nous, un Burundi uni, paisible, réconcilié, moderne et qui promeut l'excellence, l'expertise, pas vraiment disons, la promouvoir l'incompétence. Et Mapfundo Buhire croit fortement aux accords d'Arusha, parce que tout simplement, vous connaissez certainement l'histoire de ces accords, ce n'est pas une affaire entre les Burundais seulement. C'est une affaire entre les Burundais et la communauté internationale. Et dans tous les pays du monde où il y a des problèmes politiques basés sur les sociologues le savent, basés sur des divisions, on parle de segments, il y a ce qu'on appelle la démocratie consociative, le partage du pouvoir sur base de ce qui divise en fait. C'est le cas au Liban, c'est le cas même en Éthiopie, c'est le cas en Suisse, c'est le cas ici en Belgique. Donc le Burundi ne pouvait pas échapper disons, à ce mode démocratique. Bien sûr, l'accord d'Arusha n'est pas parfait, mais il a permis de ramener la paix au moins pendant 10 ans. Et l'accord d'Arusha, il faut le lire, c'était une vision de refondation de la nation complète du Burundi, sur le plan économique, sur le plan social. Relisez bien l'accord d'Arusha. La question des quotas, ça, c'était pour, disons, décanter le climat qui régnait après les événements de 72, après 88, après 91, après 93,
et récemment, 2015, comment réconcilier les Burundais? Il ne faut pas oublier une chose, l'exclusion engendre la frustration et la frustration engendre les violences. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ben, voilà, les Hutus, il faut le dire, ont pris les armes. Hein? C'était justifié d'une certaine manière parce qu'ils avaient été exclus. Mais malheureusement, au lieu de défendre, au lieu de défendre des valeurs, ils ont étiqueté les Burundais, ils ont combattu pour une cause liée à l'exclusion de Bahutu, et malheureusement, le comportement actuel, on revient à la case au départ. Il faut que le mouvement indien bien, pour résumer, Mapurundi-Buhire ne promet pas du tout des ethnies. Nous prenons un Burundi réconcilié, uni, digne et prospère et moderne. Et donc, je terminerai par là. Et nous travaillons avec les autres forces vives de la nation pour que justement l'accord d'Arusha soit réhabilité dans l'intérêt de tous les Burundais sans distinction aucune et faire en sorte que ces accords qui ont été signés entre Burundais et les partenaires internationaux soient, disons, un outil de refonder complètement le Burundi, que Francis a, le rêve que MAP aussi a, justement pour l'intérêt des générations futures. Merci beaucoup, professeur. Je vois que vous avez même donné des propositions de sortie de crise. J'accorde la parole à Francis Lohero pour répondre aux questions. D'abord, pour répondre à Chrysostome, je voudrais d'abord commencer par le début de la question qu'il a libérée. Il faut qu'on se rappelle qu'aux élections de décembre, il y a eu deux élections avant l'indépendance, c'est-à-dire il y a eu des élections communales en décembre 1961, 1960 plutôt, en décembre, et ces élections, c'était des élections communales, des élections que l'UPRONA a contestées et a porté plainte. Au sein de la Société des Nations, de la SDN à cette époque. Donc, mais le verdict jusqu'en mai 61 n'était pas encore rendu, mais on a demandé à l'IPRONA de continuer d'aller aux élections suivantes, qui étaient cette fois-là des élections législatives au 18 septembre 1961, les élections que l'IPRONA a gagnées. Et je rappelle aussi qu'à cette époque, il n'y avait pas de liste bloquée, il y avait des circonscriptions unitaires, les gens étaient élus dans des circonscriptions, c'est-à-dire que l'IPRONA pouvait avoir deux ou trois candidats dans une même circonscription et les populations votaient la première personne qu'ils voulaient, donc c'est-à-dire qu'il y avait une élection plus ou moins objective. Pour répondre à la question que vous me posez, c'est-à-dire que je ne crois pas aux listes bloquées et je l'avais même dit. Dans mon programme, je suis contre les listes bloquées parce qu'ils favorisent, ils favorisent d'une certaine manière un parti que les gens peuvent aimer, mais en ne sachant pas les individus qu'ils vont mettre devant. Et c'est ce que nous, c'est dans ces histoires que nous sommes entrés, donc depuis un certain moment, depuis 93, c'est-à-dire que les gens votent une liste sans savoir les individus, et malheureusement, ils peuvent voter même des personnes qui n'ont pas de valeur, sans qu'ils le sachent. On est même allé loin aujourd'hui. Quand vous êtes une personne non acceptée dans le parti a le pouvoir de vous démettre de votre dignité d'élu en mettant une autre personne qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas profil bas pour le président de votre parti, ils peuvent vous mettre dehors, malheureusement, et c'est ça la situation que nous vivons. C'est-à-dire que les élus que nous avons sont des élus décidés par le parti, décidé par les instances du parti, sans nécessairement voir si ces individus ont des valeurs qui représentent vraiment la population burundaise. Donc, je ne peux pas aimer ces choses, mais aujourd'hui, ce que nous suivons, c'est ce qui est dans la Constitution, parce que depuis les accords d'Arusha, les gens qui étaient à Arusha, qui ont discuté, ils ont leur honneur, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient corrects sur tous les points. Ils sont arrivés à un accord qui, s'il vous plaît, à un moment donné, ne les convainc
pas nécessairement, mais ils l'ont accepté. Et pour moi, l'honneur que je donne à l'accord d'Arusha, c'est que ça a permis d'arrêter la guerre au Burundi. Ça, c'est important. Ça a permis d'arrêter la guerre, mais ça ne blanchit pas les individus qui étaient à couteau tiré à cette époque. Si ça leur a permis de calmer leurs esprits et d'accepter de vivre ensemble dans un gouvernement, moi, je les félicite pour cet état. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on devait continuer, qui fait respecter les droits de chacun, on devrait arriver à un moment donné à arrêter ces listes. Donc, c'est ce que moi, je crois aujourd'hui, on n'a pas besoin de listes. Parce qu'on peut même faire respecter les quotas ethniques, on peut faire respecter la protection de toutes sortes de minorités dans son pays en créant des circonscriptions unitaires où les gens votent les gens qu'ils aiment dans les ethnies différentes qu'ils aiment. Donc, ça peut être protégé. Mais et l'avantage, c'est que on pourrait, si par exemple les Tutsis votent pour des Tutsis, ou si les Hutus votent pour des Hutus, ou si tous les Burundais votent même pour des personnes de bonne valeur, on aurait des individus qui sont élus par leur valeur, par leur dignité, et non pas parce qu'ils se sont mis dans des listes des individus, des partis. Alors, sur ce que Libéra dit, je peux y revenir un peu, demain ou après-demain, si il décide que quelle est la situation qu'on aura économiquement. Si je projette ce que je dis dans 10 ans ou dans combien d'années, s'il dit quelle sera la situation. C'est comme quelqu'un qui dirait à Wagasore, pourquoi vous êtes venu en 61, vous n'êtes pas venu en 51. Les choses dans les pays arrivent quand c'est opportun, quand les gens peuvent le faire. Il s'agit pas seulement de dire qu'il faut arracher. On est là. Moi et Libéral, ce qu'on dit, des fois, on est d'accord sur certains points. On le dit depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Pourquoi on n'a pas arraché en 2006? Pourquoi on n'a pas arraché en 2007? Pourquoi on n'a pas arraché en 2010? Pourquoi on n'a pas arraché en 2015 ou en 2020? La question, le peuple attend toujours quelque chose de meilleur. Mais quand est-ce qu'on va le faire? C'est parce qu'il y aura un leadership disposé à faire rassembler son peuple. Et rassembler le peuple, c'est pas des mots qu'on dit. C'était pour cela que j'écrivais tout à l'heure. C'est pas une question de propagande. C'est que le peuple burundais désire quelque chose. Quand est-ce que cela va arriver? Si, d'une certaine manière, dans le leadership burundais aujourd'hui, il y a un sectarisme, personne ne croit en l'autre, où est-ce qu'on va arriver? Ça peut même passer 30 ans, 40 ans encore devant nous. Alors c'est pour ça que je dis, peut-être faisons profil bas, on ne sait pas quand ça va arriver, mais moi je fais profil bas. Est-ce que je me donne comme priorité aujourd'hui? Je me dis, est-ce que, tel que le mandat m'a donné parole, est-ce que je peux faire arriver ma parole auprès des jeunes de ce pays, auprès des enfants de ce pays? Est-ce qu'ils peuvent avoir l'opportunité de m'écouter grâce à Émile Nibasumba qui m'a invité aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? C'est ce que moi je cherche. Mais dire que j'imagine que demain je vais l'arracher, je ne le crois pas parce que je suis même non-violent. Je sais seulement qu'aujourd'hui, nous marchons selon la loi de celui qui est au pouvoir, malheureusement. Et, comme j'ai dit tantôt, je sais ce qu'il pense, lui. C'est rester au pouvoir indéfiniment, comme il l'a dit, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce que je ne crois même pas. Mais je sais que la possibilité que ça change demain, ça dépendra, de comment on le fait, de comment on agit et de comment on le fait, sans nécessairement dire qu'on fait de la propagande. Donc, je remercie à Libéra et aux autres, mais essayons d'aller ensemble. Et par exemple, je sais qu'il y a ici des femmes de grande qualité, comme Hélary ou Justine, que j'ai vues ici. Je sais que les enseignements sont très profonds. Et je sais qu'il y a une population qui écoute, qui continue à écouter et qui met à profit tous ces enseignements. Et je sais que le moment venu, ces enseignements pourront donner un résultat digne. Mais je ne sais pas quand. Continuons à travailler d'une certaine manière ensemble. Merci beaucoup, Francis. Nous nous acheminons vers la fin du débat parce que sur le temps qui était prévu, il reste seulement 6 minutes. Diomède a demandé la parole. Oui, Diomède. je vais lui accorder la parole vers la fin. Merci, Benchabo. Diomède, vous allez intervenir juste après, parce que maintenant je vais donner la parole à Eladine Nibizi. Juste, nous sommes en train de clôturer. Eladine Nibizi, vous pouvez peut-être donner quelques propositions pour que les élections de 2025 et 2027
soit crédible, transparente, inclusive, même s'il y en a qui voient que on pouvait même reporter les élections parce que les conditions ne sont pas requises. Ma proposition ne nous conduirait pas malheureusement à l'élection crédible et inclusive. Ma proposition, c'est d'abord interpeller. J'interpelle les mécontents au sein du parti au pouvoir. Ils savent le discours qu'ils avaient pour conquérir le pouvoir. Pour attirer l'attention des électeurs en 2005, il est vrai, les Boules étaient fatigués. Ils avaient espoir d'élire quelqu'un qui va arrêter les massacres, qui va stabiliser le Burundi. Maintenant, ils ont vu que l'objet de leur lutte s'est transformé en catastrophe. Et quand même, ils ont besoin d'honneur. Il y a des jeunes qui veulent émerger. Le conseil, c'est que les membres du parti au pouvoir, à l'intérieur, ceux qui ont des valeurs pouvant redresser le Burundi, commencent à agir à travers ces élections 2005, 2025 et 2027. Et comment? D'une part, en insistant sur les personnalités à faire émerger comme candidats au niveau de des listes bloquées. Ils doivent investir tous les moyens pour qu'ils positionnent au moins des personnalités de valeur, depuis les élections locales jusqu'aux élections au niveau national. Là, c'est la première chose, bien sûr. Là, avec un régime de terreur où la parole équivaut à l'exil, la parole équivaut aux menaces. Et c'est pas facile, mais il faut oser, parce que maintenant c'est leur parti, d'une part. D'autre part, de notre côté, et là je m'adresse à nous, aux candidats qui, comme Francis Lohiro, que je félicite d'avoir tenu de dernière et première, non, je peux dire première et dernière rencontre, je crois que c'était en 2011, 2011 ou 2012, avec les échanges sur une période de 2 ans. Il a tenu le coup et courage. Et là, je le prenais comme un très jeune. Maintenant, il approche l'âge moyen. Je l'encourage qu'il profite de ses canaux de communication, puisque le cadre d'expression est déjà verrouillé. Même le parti au pouvoir n'a plus la liberté d'expression, ne peut plus parler au public, ne peut plus parler en réunion, ne s'exprime nulle part. Alors, celui qui se prive du droit à la parole ne peut pas ouvrir l'espace politique. Ne peut pas ouvrir la liberté d'opinion, la liberté d'association, car il a peur de faire face à sa faillite. Il a peur de faire face, c'est en Kirundi, on dit souvent que umwana ahisha mungovyi ukayimuhekamo. Mais eux, ils ont peur de porter ce linge sale qu'ils ont sali en connaissance de cause. Ils pensent qu'il y a quelque chose, un miracle, je ne sais pas qu'il est du très haut ou du très bas, qui va intervenir pour cacher le visage, mais pas cacher la conscience. Alors, je recommande alors à toutes les forces vives d'agir, chacun par sa manière, pour sensibiliser cette jeunesse-là, leur montrer qu'il n'y aura pas de campagne électorale si la situation reste ainsi. Leur montrer que même s'il y a campagne électorale, c'est pour mettre en avant des personnes qui vont se positionner là, juste pour y être, pour éviter les témoins gênants et pour continuer à sucer la moindre goutte de sang qui coule encore dans les veines de Burundi, c'est-à-dire avec les impôts. Voilà, ils viennent de dire qu'ils n'ont pas besoin de financement et ils vont se financer. Encore une fois, ils vont soutirer de l'argent de cette population déjà exsangue pour organiser les élections, non, pour organiser le fiasco. Et c'est de continuer d'utiliser tous les canaux. Et la jeunesse est très forte en matière de mobilisation par Internet. Utiliser ces moyens, organisons une campagne électorale par les médias.
gens que, même s'ils n'ont pas la chance de participer aux élections par les urnes, par les voies démocratiques et transparentes, qu'ils peuvent agir par le canal par la campagne en ligne, comprendre les enjeux électoraux, comprendre ce qui devait se faire, et rater la participation active pendant cette période-ci, mais réussir quand même en temps pour demander des comptes pour la période post-électorale. C'est tout un processus. Le Burundi est descendu trop bas, mais je garde espoir on ne doit pas abandonner ça. Normalement, pour qu'il y ait relèvement, il y a une chute. Et on ne peut pas se relever sans la chute. Alors, acceptons que la chute est. Nous y sommes déjà. Quand le président dit que le pays peut faire la faillite, que les gens vont se... Alors, enfin, bien sûr, il a plusieurs langue dans sa bouche, là, on peut tolérer, c'est sa liberté de le dire, c'est sa conception, et nous faisons ce qui est mieux. Nous qui pensons qu'il y a toutes les stratégies pour mieux faire. Un tel va travailler, activer, un autre va sensibiliser, un autre va opérer des changements au sein de son parti. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive de la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, en sigle. Maintenant, je donne la parole à Denis Ndayishimiye, juste pour clôturer. Est-ce que vous avez un commentaire? Dieu m'a demandé la parole Oui, depuis Diomède, oui, je l'ai vu et je vais lui longtemps. accorder la parole à la fin. Et Denis Ah, oh, ok, Ndayishimiye. merci. Oui, merci beaucoup, Émile, et merci aux autres intervenants qui ont déjà parlé. Clôturer. D'abord, j'aimerais dire un petit mot par rapport à ce que Francis Ruiro avait dit par rapport à ces hommes politiques, à ces gens qui changent de temps à autre, des opportunistes, je dirais, qui profitent d'un moment pour se hisser à une place. Parce que les autres viennent de quitter, je ne sais pas, mais je crois que maintenant c'est pratiquement terminé. Peut-être au niveau du point de vue politique, on ne peut pas s'apitoyer à eux, mais pour nous, au niveau des droits de défense, de la défense des droits humains, ça c'est une obligation. Lorsqu'il y a une violation des droits humains, on ne regarde pas l'étiquette politique, on ne regarde pratiquement rien. On doit regarder tout simplement ce qu'est dit la loi et l'acte qui a été posé par cette personne et ce que la loi ou bien la personne en charge d'appliquer la loi a dit, comment la personne s'est comportée. Et donc, ça aussi, c'est extrêmement important de savoir que même une personne, même si c'est un a coulé, qui a maltraité des gens, qui a fait disparaître, qui a tué. Lorsque il est en train de subir une injustice, une injustice est une injustice, et on aimerait que ce soit la loi qui sévit pour tout le monde. Alors, vous dites pour que les élections de 2025 soient des élections crédibles, ça c'est impossible. À moins qu'il y ait un coup de baguette magique, je ne suis pas en train de décourager Francis Ruiro, je sais que peut-être il lui-même, mais c'est pratiquement impossible de dire que les élections de 2025, on puisse avoir des élections crédibles et transparentes. Pourquoi? Parce que le langage déjà, le discours qu'on a des autorités et du CNDD-FDD, ça traduit exactement ce qu'on va vivre. Ensuite, on est dans une situation, je dirais, une situation, je dirais, où les lois qui sont là, ce sont des lois qui ne favorisent pratiquement rien. Le code électoral n'est pas encore là, mais vous allez voir, ça va être un code électoral qui n'est pas du tout discuté. J'ai eu du mal dans mon cœur lorsque Francis Loyola a dit que ça dépend du maître de la situation, ça dépend de celui qui organise l'élection. C'est-à-dire que ce ne sont pas les institutions. Ce ne sont pas les citoyens qui décident. Il y a quelqu'un là qui décide et qui nous impose des choses. Vous voyez, on a décidé, on nous a imposé Nahou Gwamye, qui était secrétaire général du gouvernement. Nahou Gwamye, qui a payé le verdict de la cour de l'EAC, tu vois. Alors maintenant, c'est lui qui va organiser les élections. Il se trouve en Russie pour le moment pour apprendre.
Et il dit que ce sont des élections transparentes et crédibles avec de nouvelles technologies. Vous voyez. Donc, on peut déjà sentir qui est à la Cour constitutionnelle. C'est Valentin Bagoricunda. Qu'est-ce qu'il a été Valentin Bagoricunda lorsqu'il est procureur général de la République? Vous voyez. Donc, pour vous dire que tous les ingrédients sont en place pour que vraiment les élections soient tout sauf transparentes, sauf crédibles, sauf libres. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je dis, c'est de continuer à conscientiser les citoyens burundais. Que vraiment, si vous avez, vous pouvez, vous soyez capable de déployer des observateurs partout dans les bureaux de vote, faites-le et collectez des témoignages. Parce que la population burundaise, nous ne sommes pas dupes, nous sommes en train d'observer. Utilisez, profitez, comme elle a dit, des nouvelles technologies. Je sais bien qu'on va couper l'Internet et peut-être. On va couper l'Internet, on va imposer un blackout total sur le territoire national afin de, on va bloquer les observateurs internationaux. Mais il faut lever la voix pour qu'on puisse venir observer que l'Internet soit maintenu, que les radios puissent continuer à émettre ce qu'ils peuvent leur faire à l'intérieur du pays. Tous ces efforts vont permettre un certain monitoring de ces violations et on va les mettre à jour. On va les mettre à jour. Si aujourd'hui le CNDD est en train de faire disparaître le parti CNL, c'est parce que voler les élections, c'est pas facile. Même ces ibonakoli qu'on utilise, un jour ils vont parler. On témoin de la fait de leur parti. Lorsque vous êtes en train de voler, c'est que vous êtes témoin, vous prouvez faiblesse, c'est par la violence qu'ils ont de se maintenir. Et donc, en faisant son monitoring, en étant témoin, c'est-à-dire que ça va gêner, ça va gêner. Donc, il faut mettre tout cela en ordre et que tout le monde de la société civile puisse vraiment consentir des efforts, conjuguer des efforts pour déployer des observateurs là où c'est possible et que les médias puissent le faire, que les partis politiques puissent le faire et qu'on puisse mettre à nu ce système. Comme ça, ils verront que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la peine perdue. Et puis, à la population aussi, un jour, la population va se révolter, va se soulever pour dire non à cette tricherie, pour dire non à cette dictature, parce que pour continuer à gouverner, il faut des ressources. Un gouvernement qui n'a pas de ressources, comme le gouvernement burundais aujourd'hui, c'est un géant à pied d'argile. Merci. Merci beaucoup, Denis Ndayishimiye. Je rappelle que vous êtes président, plutôt vice-président du FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement. Nous sommes en train de clôturer. Et maintenant, je donne la parole à Francis Rohero, juste un mot de clôture. Il semble vu Diomède qui réclame la parole. Je crois que ça Pardon, va à Francis. lui de. Pardon, Francis. Je dis que je semblais voir Diomède qui a réclamé la parole depuis longtemps et je crois que c'est à lui plutôt de la prendre. Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Diomède, vous pouvez parler avant Francis. Merci mille, c'est vrai. C'est vraiment une bonne chose. Francis est sensible à ça inaugure une certaine, voilà, les valeurs qu'il annonçait. Alors, Évidemment. c'est vrai. Non, je crois. C'est juste un amusement. Alors, moi, je pense que effectivement, j'ai compris la proposition de Libéra par rapport à dire, il faut agir, oui. Il faut agir et il y a Francis qui dit il faut investir. L'idée, en fait, voilà, se complète. Il y a une citation célèbre qu'on dit la vision sans action, c'est un rêve. Oui, la vision sans action, c'est un rêve. Il ne faut pas aussi trop investir. Il faut faire plus d'action. Et aussi, on dit que l'action aussi, encore une fois, il ne faut pas aller trop vite et trop fort et trop violent. Et on dit aussi que l'action sans vision, c'est un rêve. J'estime bien que les deux citations se complètent
Il faut, voilà, on comprend très bien qu'il y a les échéances qui s'annoncent en 2025 et en 2027. Il faudra absolument qu'il y ait l'unité de tous les acteurs. L'unité, je crois que ce Burundi a besoin beaucoup plus d'une synergie de tous les acteurs. J'ai compris qu'il y a certaines actions qui sont en train d'être faites par MAPE, il y a d'autres qui pensent, je pense, c'est le moment alors de faire cette solidarité. Je pense que si Guagasore avait gagné les élections de 1962, c'était parce qu'il y avait une unité derrière l'IPRONA. Et je crois même pour d'autres échéances que je ne vais pas évoquer, c'est parce qu'il y avait l'unité. Il y avait le travail, il y avait la répartition des tâches. Aujourd'hui, je pense que ce que nous observons, surtout dans le domaine du leadership, vraiment des efforts qui sont évitons de. C'est vrai, dans un cadre X ou Y, les gens voudraient la démocratie, y compris même le parti au pouvoir. Moi, je crois que les changements toujours viennent souvent même de l'intérieur. C'est vrai, j'ai compris les valeurs qu'il annonce, M. Francis. Je crois qu'aussi, il faut vraiment trouver les bonnes personnes dans toutes les dans tous les partis. Il y a des bonnes personnes. Je pense que souvent, d'ailleurs, c'est par ignorance qu'on ne voudrait pas la démocratie, sinon la démocratie profite tout le monde. Je donnais un exemple simple, très récent, même si ce n'est pas, même si c'est contesté par une bonne partie. La démocratie, même si ce n'était pas la démocratie idéale, telle que Libéra disait qu'en 2005, et voilà, mais on a vu une accalmie. C'est vrai, c'était une période de post-conflit, mais on a vu que les élections avaient été crédibilisées par la communauté internationale et les Burundais avaient la confiance. Aujourd'hui, le débat, c'est la confiance. On doit restaurer la confiance dans la population. Et c'est possible. Et c'est à ce niveau-là. Quand on aura réparti les tâches, quand on aura compris qu'on a une même stratégie, quand on aura compris que la démocratie, c'est un débat pour tout le monde, qu'on pourra avancer. Même en 2025, on ne doit pas, c'est vrai, Francis a raison de dire qu'en 2025, on ne peut pas trop attendre. Oui, en 2025, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir des élections. Il nous appartient, voilà, de s'équiper et de pouvoir contribuer de notre manière, comme on est en train de le faire. Non seulement dans les débats, mais aussi par les moyens. Je sais que, par exemple, les partis politiques, maintenant, sauf le parti politique au pouvoir, n'ont pas de moyens. Au moins, un parti politique, une organisation qui pourrait avoir, vouloir approcher la population, même si, voilà, je comprends toute cette problématique dont vous faites référence à la CENI, voilà, mais il faut faire quelque chose. De pas en pas, on peut arriver à quelque chose de fondement. Je suis trop dérangé quand, effectivement, on disait le CNL, c'est vrai, voilà, il a des difficultés, mais c'est vrai, c'est le moment alors de montrer qu'il y a moyen, encore une fois, voilà, de remarquer même les plus faibles qui sont affaiblis. Parce que finalement, voilà, c'est juste pour dire, il faut de l'unité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Diomède. Maintenant, c'est j'accorde la parole à Francis. Francis Rohello, il y en a qui ont dit que les élections de 2025 ne seront pas transparentes et ni inclusives. Mais vous dites que vous allez y aller quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes déterminé, vous êtes engagé à participer à ces élections-là? J'ai toujours dit que la bonne graine, ça ne pousse pas quand il y a de la meilleure situation. La bonne graine pousse en même temps que la mauvaise graine. Donc, je suis conscient, comme vient de le dire Denis, il m'a rappelé, c'est bien, il faut qu'on s'applique pas à tout le monde, peu importe la situation. Donc, je retire ce que j'ai dit par rapport au fait qu'on ne devrait pas s'apitoyer à ces gens-là. Mais je le dis pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de planter de la bonne graine, je me rappelle, Madame Elalide a dit, il y a des gens qui, depuis 20 ans, depuis 30 ans, je me rappelle, depuis même le début, quand les médias privés sont nés dans les années 2000, quand la société civile a pris de l'ampleur, en fait, quelle était leur mission? Ils avaient pour mission de créer
qui ont des valeurs, de créer des gens qui sont enclins à la justice, à la bonne manière. Ils avaient comme mission de créer une société viable à leur manière. Et je crois que c'est cette société qu'ils ont créée, pour laquelle ils ont milité, qui est en train de grandir aujourd'hui. Quand je parle de jeunes politiquement, je ne parle pas de l'âge. Il y a des gens qui sont plus âgés dans tous les partis politiques, mais qui n'ont pas eu accès vraiment à la politique parce que les dirigeants des partis politiques étaient, entre guillemets, des faucons qui ne voulaient pas qu'on les dérange. Alors, de tout ce qui a été dit par la société civile depuis les années 2000, par les médias privés qui nous ont donné la parole qu'on ne pouvait pas avoir dans les médias publics, je crois que c'est cette graine qui aujourd'hui est en train d'éclore. Et si je dis qu'on doit aller aux élections, c'est parce qu'il y a une grande partie de la population qui est dans nos collines, qui croit qu'on doit être là, qui des fois quand on fait la chaise vide, qui souffre parce qu'on n'est pas là. Il y a une population qui a envie toujours d'essayer, même si c'est si difficile. C'est donc cette graine qui doit essayer de germer malgré les épines, malgré les mauvaises conditions. Il y a une graine qui doit vivre et survivre. Donc, je n'attends pas grand-chose des élections qui vont arriver, mais je veux offrir à ces gens-là, qui ont besoin qu'on soit là, qu'on parle. Je veux qu'on soit là pour tout celui qui voudrait être là, qui n'est pas là, qui est parti peut-être très loin. Je dis qu'on doit être là. On doit prendre de la parole parce que grâce à cet événement qui s'appelle les élections, un événement qui n'a rien à voir avec ce que je dis, les valeurs nécessairement démocratiques, parce que pour moi, la démocratie, c'est une valeur ultime, une valeur universelle, qui n'a rien à voir avec certains événements que nous vivons régulièrement. Mais c'est pour ça que je dis, il faut que nous soyons là, même si les conditions ne sont pas bonnes. Parce que si on participe, on a peut-être un trou pour placer le mot qu'il faut. On a peut-être une occasion de dire ce qu'on doit dire, qu'on ne pourrait pas dire si on était absent. Il y a des gens qui ont envie de nous écouter. Moi, en 2020, je suis parti aux élections, pas parce que je croyais que je vais gagner, pas parce que je croyais que les élections allaient me donner une opportunité de gagner. Je savais ce qu'étaient les élections. Mais ces élections m'ont donné 21 jours à m'exprimer officiellement. Et il y a des Burundais qui ont su qui j'étais, qui ont donné foi à ce que je disais et qui aujourd'hui s'impliquent de plus en plus. Donc, être là, ça nous donne l'opportunité de faire quelque chose, même si ça ne doit pas être nécessairement en faveur de ce qu'on veut. Et c'est en essayant de faire ces pas, ces petits pas, c'est en essayant de faire ces petits pas nous arrivons. Excusez un peu du dérangement. C'est en faisant ces petits pas que je crois que les Burundais de bonne foi qui sont partout, comme l'a dit Elali, il y a ceux qui sont même, il y a ceux qui sont partout. C'est en étant sur place, en participant, qu'on arrive au moins à donner le petit message qu'il faut. C'est ce petit message. C'est en essayant de d'arroser cette bonne graine qui existe dans ce pays. Si on laisse de l'espace complètement à ceux qui ne veulent pas que ça aille mieux, c'est-à-dire on leur donne la chance de dire que ce qu'ils disent, il n'y a que ça. Moi, je veux montrer à la population burundaise que même si les conditions ne sont pas bonnes, même si ce qui est fait n'est pas acceptable, même si on n'a pas les moyens de changer immédiatement, que quelque chose de bon existe dans ce pays, qu'il y a des gens qui peuvent avoir de l'espoir. Les élections de 2025, ce seront des élections communales, législatives et sénatoriales uniquement. Les élections présidentielles, c'est encore après. Il faut qu'on donne ceux qui sont partis, il faut qu'on donne de l'espoir à chaque, à tous ces individus qui se disent, c'est impossible, on ne peut plus rien faire, il faut qu'on leur dise, il existe des individus qui ont de la bonne vision. Il y a des gens qui ont quelque chose, même si il y a des partis qui subissent du tort, parce que c'est le qui décide, montrer que la bonne graine existe et qu'on doit l'entretenir petit à petit, il faut que cet événement qui s'appelle les élections de l'année prochaine d'exister et de dire à la population qu'on est là. Si on n'est pas là, les gens vont dire, voilà, il n'y a personne. Alors, on est là et il faut que quelque chose de meilleur se construise autour de cette bonne graine que je suis en train de dire, comme Diomède l'a dit, comme le libéral l'a dit, il faut qu'on la soutienne, cette bonne graine. J'adore quand Elali dit, on s'est rencontrés en 2011 parce que j'en étais à son bureau.
Ici, tout près de Saint-Michel, elle lui dit, merci pour tout ce que tu as dit depuis 10 ans. Je t'écoutais souvent. Et peut-être qu'un jour, on mettra en pratique ce que tu as dit. C'est aussi par rapport à Justine, à toutes ces personnes qui ont essayé de dire de bonnes choses, à qui je pourrais dire ce que vous avez dit. Il y a des gens qui le portent dans leurs esprits. Que ça arrive, Il y a la voix dire que qui ça ne arrive sort demain. pas bien. On le construit, il faut qu'on le vive et on sera là. Donc, je crois que le sentiment que moi, je pense, il est possible, même si les conditions ne sont pas favorables, il faut qu'on continue à le faire, qu'on continue à le faire. Et ceux qui sont en train d'agir, de mal agir, voient qu'on est là. Parce que des fois, on les trompe, on leur dit de venir, de suivre, parce qu'on leur dit qu'il n'y a plus personne. Donc, il faut qu'on soit là et qu'on montre que c'est possible. Et moi, je le dis, surtout dans la non-violence. Je crois tellement dans la non-violence, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on a tout fait pour faire descendre, pour voir comme si c'était un arbre qu'on coupe aux racines. Non, ce n'est pas possible. On doit marcher avec, vivre avec, parce que la bonne graine et la mauvaise graine doivent cohabiter, vivre ensemble pour que le moment venu, la bonne graine puisse triompher. Si, pour m'avoir invité à participer, merci à toutes les personnes. Une question, Francis. Vous dites qu'il faut y aller coûte que coûte. Et les autres, et parmi la plupart des participants à ce débat, sont à l'extérieur. Il y en a même qui ont fui le pays. Et comment vont-ils participer? Est-ce qu'ils doivent rentrer? Comment vont-ils faire? Je l'ai dit, ça dépend de tout un chacun. J'ai aussi fait l'expérience de l'exil. J'ai passé plus de 9 ans. Il m'est arrivé de fuir son pays. Et il y a un Je pense problème toujours au niveau pas. de la voix, on vous capte pas bien. Est-ce que maintenant ça va plus ou moins? Oui, maintenant ça va. Oui, merci. Oui, Donc je dis. je disais, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui se sont exilés? Je dis, moi aussi, j'ai connu l'expérience de l'exil à deux reprises, et même j'ai connu même l'expérience du cachot dans ce pays. Pour aider ton pays, on ne dit pas que tu dois pas nécessairement être sur le territoire. Il y a beaucoup de gens qui font du bon travail dans ce pays, qui ne sont pas nécessairement au pays. Donc, et cela dépend du sentiment de tout un chacun. Je ne peux pas dire à tout le monde que demain vous allez rentrer. Même s'il rentre, ça ne signifie pas qu'on aura de bonnes élections parce que tout le monde est rentré. Il y a des possibilités que quelqu'un rentre individuellement. La décision de rentrer dans le pays est une décision individuelle. Donc, je ne peux pas dire que le Burundi connaîtra la paix parce que tout le monde va retourner dans son pays. Il y a des moments où les pays avance mieux, même avec des gens qui sont à l'étranger et qui participent même à cette édification. Donc, rentrer dans son pays est une décision individuelle. Je pourrais pas dire à quelqu'un rentre ou ne pas rentrer. Ça, c'est une décision individuelle. Les gens qui sont au Burundi, c'est pas qu'ils ont une situation extrêmement meilleure, non. Qui sont au Burundi, qui, si vous voulez, sont dans des difficultés, mais qui ont décidé d'être là. Il y a d'autres qui voulaient être là, qui n'ont pas pu parce que leur vie était menacée à un moment donné des périodes qu'on a vécues. Donc, sur cela, je peux dire que chacun peut aider, chacun peut participer, sans même nécessairement être sur le territoire burundais. C'est à chacun de savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit aider. Mais tout ce que je sais, 2025, c'est demain. C'est vraiment dans quelques mois. Alors, que les gens qui participent, c'est à eux de savoir ce en quoi ils peuvent aider. Mais comme j'ai dit, je n'attends pas que l'aide que chacun apporte fasse basculer la situation du noir au blanc nécessairement dans les jours qui nous restent. Mais la contribution de chacun, qu'il soit au pays ou qu'il soit à l'étranger, elle est nécessaire et cette contribution dépend de celui qui décide comment il va le faire. Donc, participer aux élections n'est pas nécessairement être sur le territoire. Vous pouvez participer aux élections même en étant à l'étranger. Vous pouvez participer aux élections même en ne disant rien, en ne participant même pas à ces émissions telles que vous le faites. Donc, les gens qui, le pays, qui aident leurs compatriotes à avoir des jours meilleurs, ils le font de différentes manières.
cela peut contribuer à l'avancée de ce pays. Il y a des gens qui soutiennent beaucoup de gens de ce pays qui ne le disent pas, mais qui le font d'une certaine manière. Donc, je crois au désir de chacun que ce pays aille de l'avant. Je crois à tout ce que tout le monde fait. Comme vous, vous avez créé cette émission, vous participez, vous aidez à votre manière. Vous n'êtes pas au Burundi, mais vous participez à l'édification d'un Burundi meilleur à votre manière. Donc, chacun peut faire ce qu'il entend, ce qu'il pense bien. Et je crois que le Burundi, qui pourrait nous donner donc cette prospérité qu'on désire, et ce Burundi est possible, mais manière de chacun pour y participer dépendra de lui et pas nécessairement de ce que veulent entre guillemets les autorités qui nous gouvernent à une époque. C'est de cette façon que je pourrais répondre à cette question. Dire qu'on participera ne signifie pas qu'il faut qu'on silence. Non, il faut que cette bonne graine trouve de l'espace. Moi, en profitant de ces émissions, j'ai toujours dit aux gens, soutenez-nous. Soutenir ne signifie pas qu'on vous promet que demain on va faire des miracles, non. Mais c'est que on devient de plus en plus conscient de ce qui nous arrive. Et que même ce délabrement économique nous aide même à créer même cette conscience. Parce qu'à un moment donné, quand il y a des difficultés politiques, mais que l'économie se porte mieux, il y a des gens qui oublient qu'ils sont en difficulté. Et peut-être que ce délabrement économique nous aide à asseoir vraiment une conscience qu'il faut. Parce que il y a des gens qui, quand ils mangent, ils se disent, bon, il n'y a pas de problème. Je vois beaucoup de Burundais qui vous disent, je ne vais pas me préoccuper de la politique parce que ça ne m'intéresse pas. Oui, parce que quand vous avez mangé, quand vous êtes chez vous, quand vous amenez vos enfants à l'école sans problème, vous dites que ça ne vous intéresse pas. Mais une fois que vous avez des problèmes qui vous assaillent à la porte de votre maison, là, vous comprendrez que la politique, ça devient quelque chose d'important. Alors, je dis, je ne voudrais pas que on soit assailli par des difficultés outre mesure, mais je veux que les gens comprennent que sois conscient que la situation politique de ce pays, quand je parle moi de politique, c'est pas ces chicanes entre les individus, entre les hommes politiques, c'est ce questionnement par rapport à notre vie. Je rappelle que aujourd'hui le taux d'accès aux revenus au Burundi est à 6%, alors que nous avons une population active dans ce pays qui est estimée à 53%, c'est-à-dire que les gens qui ont plus de 18 ans, faut qu'on comprenne la situation qu'on est en train de vivre. Quand, en moins de 4 ans, la valeur de notre monnaie peut perdre sa valeur jusqu'à 200%, il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Et pour moi, c'est ça, la politique. Quand des gens terminent des universités qui ne peuvent pas être embauchés parce qu'il n'y a aucune possibilité d'investissement, c'est de ça dont je parle comme politique. Donc, il faut qu'on sache ce que c'est et peut-être que ces situations sont en train de produire une conscience et qui va aller élever les voix de des gens au niveau de leur conscience qu'ils ne peuvent plus se laisser prendre par des partis politiques au lieu de comprendre qu'ils ont des problèmes à résoudre. Merci beaucoup, Francis Rohero. Je rappelle que vous êtes président du parti FPI, Fraternité des Patriotes INEZA. Je vois Diomède a levé la main. Bon, juste clôturer le débat. Et Diomède, Je il y a profite aussi des. de vous dire que je suis un peu pris et que je pourrais prendre congé. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Francis. J'ai profité pour demander à Madame Elali, je ne sais pas si elle a vu le message, qu'elle me passe son numéro, ce serait une bonne chose. Merci, merci, je m'excuse. Diomède, est-ce que vous êtes là? Oui, je vois que vous êtes là. vous entends. Juste pour clôturer. Il y en a qui disent qu'il faut participer coûte que coûte à ces élections, notamment Francis Rohero, mais vous avez entendu d'autres qui disent que les conditions minimales d'organisation d'élections crédibles ne sont pas là. Et il y en a même qui proposent de reporter les élections parce que les conditions ne sont pas encore là. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Bon, moi, je pense que. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je pense que c'est vrai. Les conditions ne sont pas réunies.
Pour vraiment organiser des élections crédibles et transparentes, surtout que voilà, on voit qu'à la veille des élections, toujours, c'est toujours des problèmes. Mais moi, je pense que c'est important de comprendre qu'il faut toujours voilà, participer à les élections. Voilà, ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que, effectivement, ce qui est important, c'est que d'ores et déjà, toutes les parties prenantes, tous les acteurs, voilà, des bonnes personnes qui voudraient que la démocratie puisse avancer, se réunissent pour discuter les voies et moyens pour participer. Parce que nous avons connu des moments où les gens ne voulaient pas participer à des élections, et chaque fois nous avons vu que ça n'a pas trop marché et la démocratie n'a pas été, voilà, à la hauteur. Et donc, je me dis que c'est important que maintenant, il y ait cette unité dont je parlais tout au début, et qu'il y ait la répartition des tâches, et qu'il y ait cette solidarité pour pouvoir faire avancer cette démocratie. C'est vrai, si on laisse, nous avons connu des pays où on a connu, où on a reporté des élections, on a même fait des boycotts pour ne pas participer à des élections, mais ça n'a pas donné de bons résultats. C'est vrai, pour le moment, il faut être vigilant, c'est vrai, il faut être vigilant. J'écoutais Ribeira qui paraît qu'il faut qu'il puisse agir sur la diplomatie. Dans ce sens, effectivement, voilà l'observation des élections et qu'au moins il y ait cette participation. Ce n'est pas toujours évident, on peut toujours planifier voilà, les fraudes ou les autres, mais il y a lieu de contrebalancer ce mouvement-là. Donc je crois fondamentalement qu'il ne faut jamais laisser la chaise vide et surtout pendant ces moments où nous avons besoin vraiment de la démocratie. C'est vrai, il y a de la matière pour les gens qui voudront faire la compétition, il y a de la matière et il y a des outils, il y a des moyens qu'il faut exercer, il faut faire ce plaidoyer. Et je crois vraiment qu'il faut participer tout en se souciant effectivement du bien-être de la population. Et je crois que la population a besoin de ce mouvement-là, a besoin qu'il y ait une participation massive et surtout la contribution de tout un chacun à ce qui le concerne, comme vous êtes en train de le faire. Donc, pour moi, la chaise vide ne profite à personne. Il faut jouer sur la diplomatie, il faut jouer sur les instruments régionaux, notamment pour des injustices subies. Il faut intenter une action au niveau de la Cour de la région, même de la Cour d'Afrique. Voilà, il faut aller vraiment dans ce débat-là et accepter de participer et ne pas laisser, effectivement, pour un seul parti ou deux partis, comme nous sommes en train de le constater. Je le disais de tout au début, que je constate une certaine désolidarité. Il n'y a pas une solidarité. Le Congrès organisé et validé, voilà, il faut qu'il y ait cette solidarité. C'est cela qui va sauver ce pays. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques, je sais qu'il y a beaucoup d'indifférences entre les différents partis politiques. Historiquement, je crois qu'il y avait des gens qui avaient déjà commencé à le dire. Il y a des conflits sociaux qui existent depuis, il y a des haines qui ont eu dans le passé, il y a les ghettos ethniques, mais il faut arriver à transcender ces clivages ethniques et arriver voilà, à cette unité pour finalement faire asseoir cette démocratie transitoire qui n'est pas là, si vous voulez, mais qu'il faut accepter de vivre et faire grandir. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur Diomède Ninhérété. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant en leadership et en management des organisations, y compris les organisations politiques. Nous arrivons donc à la fin de ce débat. Je remercie également professeur Libéral Nivashira-Kandi qui est déjà parti et il va dans une autre réunion. Le débat avait comme thème l'évolution de l'espace politique à l'approche des élections de 2025 et 2027 au Burundi. Et c'est un débat qui a été organisé par l'agence de presse Le Mandat, en collaboration avec l'organisation sous-régionale Amahoro Development International Center, ADIC en sigle. Et nous sommes également en partenariat avec
l'organisation Global Democracy Coalition. Et merci à tous les panélistes et merci également à tous les participants qui ont posé des questions et ceux qui ont donné des contributions au cours de ce débat. Et je pense qu'on va se revoir dans un autre débat. Merci beaucoup. Bye. 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 Au revoir maintenant. Bye. 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 Merci beaucoup.